Coucou les amis, bonjour. Bonjour, partagez le direct. Bonjour, bonjour, je vais vous saluer tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est Wesley Blanchard parce qu'après je vais à l'ambassade. Donc peut-être que je n'ai pas trop le temps. Bonjour, je suis chez moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors je vais prendre mon téléphone là-bas. Connectez-vous et partagez le direct. Partagez. Je suis bien chez moi à Rouen, donc partagez le direct. Partagez le direct, je suis bien chez moi à Rouen. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bon, mais d'abord, on se salue, non? On se salue déjà. Partagez le live. Partagez le live, bonjour. Oh, Wombo, bien sûr. Ma personne, oh. Coucou, les Kotao. Coucou! Connectez-vous, partagez, bonjour, bonjour! Je vais partir à l'ambassade tout à l'heure, hein? Alain Brice, Kenfa, bonjour, Balata de moi, bonjour! Attendez, mais c'est un petit verre. C'est vrai que, bon, ma personne n'est pas là, donc je peux me faire plaisir aujourd'hui, vu que. Bonjour, bonjour, bon. Par contre, tous ceux qui veulent. C'est lui qui met la tête de moi, j'ai un autre téléphone. Pas le téléphone, c'est désolé, je suis. Ça, c'est pour garder les preuves. Je vais vous montrer les preuves de beaucoup de choses. Quand on accuse des gens, partagez au direct. Bonjour. Bonjour. J'ai déjà tiré ma chaîne. Hé, viens, c'est tire. Tire-toi ta chose, non. Tirez, tirez, tirez. Attendez, attendez, partagez. Moi, je vais vous parler que la vérité. Et je vous annonce que votre Nibakin, je ne parlerai plus jamais de Nibakin. Oui. Parce que je vais m'attaquer à sa famille. Comme il s'attaque aux familles des autres. Je finis avec lui ce soir, au final. Et après, je parle de sa famille. Assogobibiche, bonjour. Bonjour tout le monde. Oh là là, mes amoureux sont là. Rose et Dimi, coucou. Coucou, mon beau frère Dimi, va bien. Coucou. Partagez, partagez. Connectez-vous, bipez les voisins. Partagez parce que je vais vous sortir de la vérité. Et j'appelle la Belgique, j'appelle le Maroc, j'appelle l'Italie, j'appelle la France. Voilà Beyoncé même qui est là, qui est témoin. Votre Nibakine et moi, je vais vous verser que la vérité. Voilà. Partagez, partagez. Ouh, Christian le Monaco, ma personne, bonjour. Partagez. Oui, partagez, partagez. Parce que quand les gens sont des mythos, nous, on ne parle pas pour rien. Partagez mes quotas. Partagez le direct, partagez. Partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez. Partagez le live. Hey Marilyn Chou, coucou. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a mes amoureux, mes bébés, mes amoureuses et mes amoureux. Merci, bon, je vais vous saluer pendant 5 minutes. Il faut saluer Monroe Smith de Paris. Bon, bien sûr, bonjour. Bonjour, partagez le live. Partagez. Partagez, partagez. Parce qu'il faut que notre petite souris, notre bonbon idou, doit passer ici. Bonjour. Oh, bonjour, Bali, Choukamga. Cocolico Rouge, bonjour. Dieu de moi, mon chéri de moi. Partagez. Allô? Oui. Je suis en direct. Coucou, je suis en direct. Oui, c'est sur ma page YFT Blanchard officielle. Partagez le direct, partagez. Bipez toutes les teams, bipez tout le monde. Je vais vous parler de votre Nibakine comme ma poche et je vais appeler les noms. Vous allez partir fouiller si je mens. Descends là-bas, le chat. J'aime trop regarder les choses aussi là-bas. Partagez, partagez le live. Tan, 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 tan. Votre mythomanie va finir. Hé, Penja Indio. Coucou, je suis en direct. Partage. Ouais, c'est la chose officielle. Je suis en direct. Je suis en direct. Les vérités vont sortir. Partagez. Partagez tout de suite, compresseur. Partagez. À tout de suite, ma compré. Pas partagez. À tout. Partagez le direct. Je vous parle de la vérité. Je vous parle de votre 44 grammes avec les preuves et les noms. Le mensonge de chat. Le mensonge de ça. Partagez. Hey, laisse, pardon, attends. Ne dis pas quoi le nom, les Norvégiens, pardon. Attends. Oh, Nivakino.
Nibakim, tu t'attaques à moi. Et il osait m'envoyer les messages de menace. Alors, oui, partagez le direct. Partagez. Et dites bonjour à Tata Lolo. Bonjour à Flore. Bonjour à Flore, bonjour à Tata Lolo, bonjour à Compresso. Écrivez que chaque team vient saluer sa star ici. Chez moi, c'est chez moi, si on mange partagé. Votre Nivakin avec sa mythomanie, je vais vous parler de Nivakin. Il ne me connaît pas. Sa mythomanie là. Elle dit qu'il mange même. C'est lui qui mange. Il ne sait pas qu'on le connaît. Oh, ma vie, pas d'abord, là-bas, la chambre. Pas qu'on te voit ici. Bon, maintenant on va maintenant commencer à causer. Alors, ma fou ne ment jamais. Bonjour, ma fou ne ment jamais. Fille d'Ongo Lavaris. Bon, maintenant je vais vous me présenter. Je vous parle maintenant d'une vérité sûre. Alors, vous savez, il faut que je sois posé. Parce que là, je vais démarrer avec le temps. C'est mon dernier direct que je vais parler de Nivakin parce que la semaine prochaine, le dimanche prochain, on va manger sa maman sur Facebook. J'ai les photos et le nom et tout. Et là où il vit, parce que j'ai payé pour ça. Vous savez, vous allez comprendre pourquoi le blanc dit que... Bonjour, bonjour. Vous savez pourquoi... Je veux comprendre, vous allez comprendre pourquoi le blanc dit souvent que avant de s'attaquer à un adversaire, on étudie d'abord l'adversaire. Je n'ai jamais provoqué Nivakin sur la toile. Je ne suis jamais venu insulter Nivakin sur la toile. Je me suis fait insulter jusqu'à... Là où il a poussé le bouchon très loin, c'est qu'elle a insulté mes parents. Alors, maintenant, je vous parle. Attendez. C'est bon, vous me voyez. Vous me voyez bien. Donc, Nivakin, je le connais en 2017 parce que Lolo Fodja m'appelle en janvier 2017. J'étais entre Reims et Paris. Et Lolo Fodja me dit que Waris Nivakin est arrivé en France. Et il est en France, un truc comme ça. Et je veux que tu rythmes ton frère. Que tu, comme toi, tu as grandi à Paris. Comme toi, tu connais Reims et tu connais un peu la France. Tu es bien, je veux que tu te le confies. Bonjour, Passy Caviar de mon amour à moi d'abeille. Bonjour, Shivani Aboumo. Bonjour, tout le monde. Lucky Luke, de quoi, des ténèbres, quoi. Bon, bonjour. Donc. C'est comme ça que je dis à Lolo Fodja que je ne veux pas l'amitié avec Nivakin. Parce que Nivakin insulte trop les gens pour un oui, pour un non. Ça ne fait pas partie de mon entourage. Bonjour Claude Akam. Je dis à Lolo Fodja que je ne veux pas. C'était en janvier 2017. C'est comme ça que Lolo Fodja me fait comprendre que non, t'inquiète, comme il vient d'arriver, il va se calmer. Parce qu'avec le stress de Mbeng et les factures et les charges, il ne va plus insulter, ne t'en fais pas. J'ai refusé le début. Je vous dis tout. Tous les noms et les prénoms. J'invite tout la LGBT de Belgique, d'Italie, de Suisse, de France. Parce qu'on se connaît presque tous. Amen. Je ne vous mens pas. C'est comme ça donc que je le refuse ça sur le loup. Faut déjà partager le direct. Nivakin donc. Lolo Fodja me rappelle le 21 juin 2017. J'ai les dates ici. C'était la fête de la musique. J'étais avec Jeden et Farid et tout. On faisait la fête à Paris. Vous comprenez, non? On faisait la fête. La bonjour, Kevin Naïm. On faisait la fête à Paris. Quand Lolo Fodja m'appelle, elle est dans le bruit comme par Paul. Je dis à Lolo Fodja, elle me dit, c'est venu Nivakin. Je dis à Lolo Fodja que non, je tourne comme ça. Lolo Fodja a commencé à me gronder. Lolo Fodja a commencé à me gronder. Que oui, pourquoi tu le rejettes? Pourquoi tu le repousses? Vous n'êtes même pas solidaire. Ton frère arrive comme ça. Ton frère vient. C'est quoi ça? C'est pourquoi le Cameroun n'avance jamais. Lolo Fodja, c'est mon aîné. Donc, du coup, je suis devant les gens dans le bruit aussi. Je dis à Lolo que je rappelle Lolo. Le lendemain, j'appelle Lolo Fodja. J'appelle Lolo Fodja. Lolo Fodja, elle me dit que ouais, c'est quoi cette histoire-là que tu rejettes Nivakin? Donc quand Lolo Fodja me gronde à la fête de la musique, elle est à côté de Nivakin. Voilà la raison pour laquelle Nivakin me garde dedans. Finalement, je dis à ma yam sœur que Lolo Fodja, Bibiane Michou, bonjour. Je dis à Lolo Fodja que Lolo Fodja, donne-lui mon numéro. Nivakin m'appelle. On commence à causer. Bon, ça c'était une parenthèse de Lolo Fodja que j'ai déjà eu à vous dire avant Nivakin.
Donc, je vais demander à la petite souris de Nivakin que quand tu sais que quelqu'un a dit un truc avant toi, on cite le nom d'auteur, pétasse, écoute-moi très bien. On cite le nom d'auteur. C'est moi qui ai venu dire sur Facebook que c'est Lolo Fondia qui nous l'a fréquenté, qui nous l'a présenté. C'est sur YouTube. Ça, c'était pour Lolo Fondia. Parce que je vais aller pas à pas jusqu'au mariage. Je vais parler du mariage. Je vais parler d'où Nivakin vient. Comment il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait. Où ils habitent. Pas à pas avec Nivakin. Restez scotché. Je ne fuis pas. On ne pleure pas. Bon. Je vous dis d'abord entre parenthèses que Nivakin est entré en Europe, comme nous tous on sait, via l'immigration illégale, les bateaux illégaux là, qui vont entrer en Italie. Il a fait la demande d'asile en Italie. Et il avait le papier de demande d'asile. Il n'a pas attendu. Je vous précise que Nivakin est entré en Suisse illégalement. Parce qu'avec le papier là, tu n'avais pas le droit de prendre le TGV. Parce que tu n'avais pas fait le papier sûr. Il est entré, il est allé trouver sa grand-mère qui est la sœur de son grand-père. La tombe que je vais publier en février de la maison là, c'est son grand-père qui est là-bas qu'on appelle, demandé dans tous mes lettres, papa l'américain en face de la GP. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est la grand-mère de Nivakin là. C'est la sœur du grand-père de Nivakin qui est enterré là-bas devant la maison là. C'est elle qui est là-bas en Suisse qu'on appelle maman bébé. Nivakin, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas son nom. Tu me connais, je vais te montrer que je suis intelligent, toi tu es bête. Tu m'as insulté, fatigué, je t'ai regardé. Donc c'est maman bébé qui est la grand-mère de Nivakin qui habite en Suisse. Rien du roi. Vous m'entendez? Donc la grand-mère de Nivakin qui habite en Suisse, c'est la sœur du grand-père de Nivakin. On l'appelle maman bébé. Voici Nivakin qui part jusqu'à la Suisse illégalement. Arrivé chez maman bébé, mettez les cœurs, pompez les cœurs. Arrivé chez maman bébé, Nivakin commence à insulter sa grand-mère. Parce que je tiens à noter que je vais faire un direct pour parler des conflits de sa famille. Parce que je suis en contact avec sa voisine qui est là-bas. Nivakin, j'ai payé 15 000. Oui, j'ai tout ce qu'il veut. J'ai payé 15 000. Donc, arrivé là-bas, Nivakin insulte maman bébé qui est sa grand-mère. Maman bébé appelle la police à Nivakin. Nivakin fuit. Voici comment Nivakin entre à Besançon. Ceux qui connaissent la France, vous savez que le Jura, Besançon est frontalier avec la Suisse du Jura. Je mens. Je ne mens pas. Voilà. Donc maintenant, Nivakin arrive à Besançon. Il reconduit sa demande d'asile. La demande d'asile, on appelle ça en Union européenne que le Dublin. Donc si tu as demandé l'asile au Portugal, tu n'as pas fini l'asile au Portugal, tu viens continuer en France, ça s'appelle le Dublin. Vice versa pour les pays du Schengen. C'est comme ça que l'assistance sociale de Nivakin, loge Nivakin dans un beau studio qui était comme oublié, ça peut-être au deuxième arrondissement là. 25 mètres carrés, très joli, parce qu'il m'appelait ça en vidéo. Nivakin ne vous a pas souligné qu'il avait insulté le Lofodja. La première personne à aider Nivakin financièrement dans ce pays-ci, je cite, je jure, c'est le Lofodja qui a prêté à Nivakin 150 euros. Ça, il ne vous a jamais dit. Il ne vous a jamais dit que son premier agent qu'il a eu, que quelqu'un de la toile l'a aidé, avait le prêt. Pourquoi? Parce que, à l'époque, vous savez, à l'époque, les gens qui faisaient la demande d'asile, les gens qui faisaient la demande d'asile, on leur donnait soit l'équivalent du RSA dans les livrets A. C'est pas comme maintenant qu'on leur donne les cartes juste qu'ils peuvent faire les achats, mais ils ne peuvent plus retirer l'argent. Allez, je vais bloquer la tête des morts. Tu crois que tu vas venir faire ça à qui? Tu fais la tête de mort chez moi. Tu es malade. Attendez, je vais te bloquer tout de suite. Allez, tête de mort. Allez, moi, tête de mort là. Vas-y, tirons tout de suite. Où est la tête de mort là? Alors, te passe ici. Je vais te bloquer tout de suite. Tu n'as rien compris. Les gens, tu viens mettre la tête de mort chez moi. Tu ne vois pas que j'ai deux téléphones. Alors, c'est ici. Tu as levé. Donc, c'est comme ça que Nivakin, Lolo Fondia prête 150 euros à Nivakin. Je vais dire à Lolo Fondia que l'argent que tu avais prêté à Nivakin qui devait te rembourser quand l'argent du RSA, de la demande d'asile allait tomber, Nivakin a acheté la perruque. Nivakin a acheté la perruque. Alors, tu vas bloquer. La tête de mort continue. Voilà, parce que lâche trop, c'est tout. Je vais bloquer. C'est mieux que je bloque la tête de mort parce que ce que tu fais là, tu vas faire ton petit cul où tu es. Je vais te bloquer. Parce que là, tu as trop dérangé. Nivakin a acheté la perruque à Besançon. Je vais vous dire pourquoi Nivakin insulte que les gens de France.
Parce qu'il va dire, toi, on t'a tous vu à Paris. Voilà. Voilà. Attendez, je bloque la tête du mort. Voici la tête du mort ici. Attendez. Les personnes ayant réagi. Ne va que regarder. Personne ayant réagi. Ouais, je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en train de laver la salope de Nivakin là. Sur ma page. Oui. Attendez. Alors, la tête de mort qui m'a bloqué, que je vais bloquer, s'appelle Rafket. Nivakin, tu vas faire plusieurs faux profils parce que je ne sais pas qui va venir me bloquer étant donné que. Qui va venir me signaler étant donné que toi-même. Toi-même, tu me. Je sais, elle s'appelle Rafket. Alors, Rafket va te bloquer tout de suite. Alors, vois les options. Bloquer. Allez, va un peu te reposer un peu bien, Rafket. Au revoir. Je t'ai bloqué. C'est fini. Donc, Nivakin arrive au Jura, il demande. Et là-bas maintenant, Lolo Fodja, il achète la perruque synthétique, le rouge à lèvres rose, la robe, les talons et les bas. Nivakin commence à se prostituer dans la maison du social asilaire. Ça s'appelle le. On appelle ça en bon français, c'est le foyer. C'est comme ça que l'assistance sociale de Nivakin, on signale le passage. Parce que Nivakin là peut faire même 10 clients, il n'a même pas 350 euros. On va arriver. Nivakin, je tiens à préciser que Nivakin avait une carte, un réceptionnel de 3 mois. Il le restait 2 mois pour que ça expire. Nivakin, quand on dit à Nivakin que Waris, Nivakin, le Waka n'est pas bien. Que Nivakin soit intelligent, il s'est dit que bon, comme c'est comme ça que je suis à Besançon, je ne vais pas même voir dans les appartements que les gens prenaient, soit sur le bon coin, où je pas à Belfort, où je rentre le soir, où j'ai fait 2-3 jours, je rentre chez moi, pour qu'on voie au moins que tu dors là. Nivakin a commencé à tirer la valise. Voilà comment Nivakin quitte de 6 mois à 3 mois. De 3 mois à 1 mois. Voici comment Nivakin a reçu la lettre d'expulsion en France. J'appelle Sydney. J'appelle mon ami Tidi. J'appelle Jérémy qui habitait avec nous, le gars congolais qui était chez nous là. J'appelle Farid. J'appelle tout Paris. Même Beyoncé connaît l'affaire de l'acquitté du territoire de Nivakin. Nivakin a eu l'acquitté du territoire français. On lui a donné 30 jours. Sinon, lui, le courrier là. J'ai lu le courrier là. On a redirigé Nivakin à l'Italie qu'il ait poursuivi sa démarche en Italie. Voilà pourquoi Nivakin insulte les gens de France. On est d'accord? Maintenant, Nivakin a osé. C'est comme ça que Nivakin, donc j'ai même essayé de faire un mariage au black entre Farid et Nivakin. C'est vrai que je suis allé prendre la maison HLM à Reims. Lolo Fodja connaît l'histoire-ci. Beyoncé connaît l'histoire-ci. Paris connaît ça. Sydney connaît ça. Nivakin mentait qu'il avait le Norvégien. Il n'avait pas immense. Nivakin, c'est un gros arriviste. C'est quelqu'un qui, dans la famille, il ne vivent que des blancs. Il tremble quand il voit les blancs comme ça, alors que le blanc, nous, comment tu as venu nous bluffer, nous? Nous qui sommes là en Beng, on est en Beng avec toi. Si tu nous as trouvé ici, est-ce qu'un Beng, nous, on va go clamer encore avec le blanc? Voici comment Nivakin est resté là. Je vous jure que tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vais dire que la vérité est rien que la vérité. Nivakin, tu as osé dire dans tes inepties, parce que moi je ne suis pas. Je vais vous montrer que je ne suis pas Nivakin. C'est les gens qui m'envoient les trucs là sur YouTube ou bien les parties qui coupent là. Moi je ne te suis pas. Pourquoi je ne suis pas Nivakin? Pourquoi depuis 2018 que Nivakin a commencé à m'insulter derrière, je vais vous raconter comment Nivakin a commencé. Je n'ai jamais capté Nivakin parce que pour moi Nivakin c'est un esclave. Je ne savais pas que Kuntaki était allé renaître au Cameroun. Je suis désolé. Nivakin c'est un esclave. Il nous a parlé qu'on l'a vendu en Libye. Comment moi je vais répondre à un esclave de vous à moi? Quelqu'un qui ne sait même pas s'habiller. Regardez un Kwandenge qui ne connaît pas acheter les habits. Il ne sait pas qu'on regarde les catalogues, on achète les habits au fur et à mesure. Hein? Donc, voilà comment Nivakin. Nivakin dit que je suis une poubelle. Ça, c'est pour casser les coups. Nivakin dit que je suis une poubelle. Alors, je vais vous montrer ce qui est la poubelle. Je vais vous dire qui est la poubelle. Je vais vous dire qui est la poubelle. Je vais vous dire qui est la poubelle. Et je suis clair, vous allez demander. J'appelle les gens de Belgique, les gens de Paris, partout, allez demander ce que ça te vous dit là. Voilà. Voilà. Nivakin, je te bloque. Oui. Voilà. Attendez, je bloque une personne ici. Nivakin dit que je suis une poubelle. Je vais vous montrer A plus B. Vous comprenez?
Je ne savais pas que Koutanki allait venir au Cameroun. Parce que pour moi, Koutanki, c'est une histoire d'esclave qui était du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi on l'apprend à l'école. Anyway, je bois le vin pour raconter une Nibakine. Je vous jure, au nom de Dieu, allez vous rappeler tout ce que je cite là. J'appelle la ballroom parisienne. J'appelle l'un de Belgique, l'Italie, tout le monde, même de la Tunisie. Nibakine, je suis là pour une heure après, pas l'ambassade. Voici Nibakine alors. Bois-toi la Heineken. Voici comme Nibakine donc. On est là, il me tient de poubelle. Je tiens à préciser que Nibakine, il y avait moi. Nibakine. Moi qui est Camerounais, Nibakine qui est Camerounais, Sydney qui est Camerounais, Didi qui est Malien, comme vous connaissez en Belgique partout. Je ne sais pas les gens du milieu. Momo qui est Malien, Jérémy qui était Congolais, dans la tontine qu'on faisait nous six. On faisait 200 euros par semaine. Maintenant, dans la maison, il y avait Farid. Donc, je peux appeler les 7 témoins. On avait un groupe de tontines, 200 par semaine, qui donnait 1200 euros par personne. Donc, c'est comme ça que Nibakine qui mettait de poubelle, que je ne sais pas me brosser les dents. Déjà, quand vous voyez comment je m'habille et Nibakine, vous voyez que c'est le jour et la nuit. Nibakine va me monter, je vais challenger avec toi. Nibakine, tu vas me montrer ce que tu fais en Afrique, parce que moi, je vais te montrer ce que moi, je fais en Afrique. On va y arriver. Nibakine, je suis comme ça couché. Si je ne mange, si je mange, demandez à Lolo Fodja ce que je vous raconte ici. Attends, va voir, Brian. Allez. C'est bon. Entre. Mon cher, quand je l'ignore, il va aller voir Brian là-bas. Nibakine, je suis comme ça assis. Je suis couché. Mon ami malien n'a pas pour habitude de m'appeler beaucoup le matin. Vous savez, les maliens sont bien éduqués. Je reçois le téléphone. Brou, 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 brou. Mon cher n'avait que 3 mois. Quand je décroche, je me dis que qu'est-ce qui se passe là-bas à Paris? Je tiens à souligner que Lolo Fodja m'avait demandé de soutenir Nibakine. C'est Nibakine qui m'avait demandé est-ce qu'il peut faire le waka chez moi. Nibakine, tu t'es hébergé de septembre à février. Tu n'as rien payé chez moi. Tu fais tes fellations de 30 euros. Je vais fermer la fenêtre. Tu fais tes fellations de 30 euros. C'est la fellation, non. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tout Paris t'a vu chez moi. Même quand les acteurs viennent chez nous, les gens t'ont vu chez moi, Nibakine. Tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné quelque chose, Nibakine. Moi, je t'héberge, tu m'insultes. Depuis que tu te laisses, tu es un esclave. Et c'est toi qui m'insultes. Bah dis donc. Bah dis donc. Bah dis donc. C'est comme ça que moi, mon ami m'appelle le matin. Très tôt, parce qu'il veut vous montrer qui est la poubelle. Je vous dis à vous qu'allez demander, même au Sydney. Moi, je me cache plus. Demandez à Paris. On connaît l'histoire. Même bien, c'est quoi l'histoire là? Je décroche mon ami. Mon ami commence à crier sur moi, mais écoute. Ouais, je me donne la lumière. Je me mets à l'eau ici. C'est bon là. C'est comme ça que Nibakine commence. Ma copine, mon ami là, mon ami m'allait me dire Waris, dis à ton ami camerounais, je suis pas camerounais, qui me renvoie mon ensemble caleçon rouge. Qui m'envoie mon ensemble caleçon rouge. Nibakine a volé l'ensemble caleçon rouge de mon ami malien qu'on appelle Tidi. Celui qui veut demander, allez demander à ceux qui connaissent Paris. J'appelle la Belgique, vous avez venu à me faire comme ça. Vous connaissez mon ami là. Renseignez-vous dans Paris. Qui ignore ça? Nibakine a volé un ensemble caleçon rouge. Nibakine a volé un ensemble caleçon rouge. Si je vous dis que, demandez à Sydney. On était dans le groupe de la tontine. Parce que même mon ami a amené ça dans le groupe de la tontine. Je vous jure de tout ce qui m'est cher. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vous jure. Je vais faire comment? J'appelle le Lolo Fodja. J'ai dit, ouais, Lolo, voici, mettez le cœur. Nibakine, je te connais les faux profils. Je vais parler de toi. Et je vous invite, les gens de la Belgique, d'Italie, de partout. Allez demander ce qui est sûr, on connaît tout quelqu'un à Paris. Je vous jure que Nibakine a volé l'ensemble caleçon rouge que mon ami avait apporté. De toi à moi, tu es une poubelle, Nibakine. Non, honnêtement, tu es une poubelle. Parce que je sais que tout le monde va l'appeler. Les tantes qui ont les amis Kwandinga à Paris. Demandez l'affaire du vol de caleçon de Nibakine. C'est comme ça que j'envoie les captures d'écran à Lolo Fodja à l'époque. Nibakine, si Lolo Fodja était comme toi, c'est que elle t'avait publié, quand tu l'avais insulté. Mais Lolo Fodja a respecté mon intimité à moi. Et elle a respecté mon intimité et mes amis parce que Lolo Fodja a eu à manger avec les Tidi quand ils ont mangé les pizzas ensemble. De toi à moi, tu es la poubelle. Je me tourne devant toi, Nibakine. De toi à moi, tu es la poubelle.
Tu vois les caleçons déjà portés. Et je vous assure que le jour-là, mon ami avait dit que si Livakine n'envoie pas l'ensemble caleçon le même jour par la poste, il va casser la gueule à Livakine. C'est comme ça que j'appelle Sydney. Je dis à Sydney que... Mais c'est quelle honte que notre frère nous met comme ça. Mais entre-temps... Bonjour, mon nouveau Marole Chamba. Donc, c'est comme ça que entre-temps... Moi, j'appelle Sydney parce qu'il est Camerounais. Je dis à Sydney que, mais comme moi, je me dis que Nivakine sort mieux comme. Donc, peut-être qu'il ne sait pas comment ça se passe en Europe. J'appelle Nivakine, il me dit qu'il arrive dans une heure à Alès. Non, c'était en bas et en haut. Vous savez qu'il y a des trucs hommes, non? Il y a des trucs femmes, il y a des trucs hommes, deux pièces, non? Donc, c'est comme ça que. J'appelle Nivakine et lui dit que ouais, mon ami avait déposé son adresse. À l'époque, il habitait au Bervilliers. Il a déposé que Nivakine envoie le même jour. J'appelle Nivakine et dit Nivakine, ouais, tu sais qu'il fallait demander. Tu sais moi, je croyais que Nivakine ne connaît pas le fonctionnement de Mbeng. C'est comme ça que Nivakine, je lui dis que va remettre. Je dis, va remettre. Va envoyer par la poste. Je veux pas les problèmes. Ça fait des années que je suis avec les gens là. On n'a pas les soucis comme ça. Dorénavant, il faut demander où. Alors demande où il a acheté. Il est sympa. Voilà comment Nivakine est parti faire. Il me répond au téléphone que j'ai pas aller faire la queue pour un caleçon rouge quand même. Nivakine, on t'appelle Mbombo Idou. Nivakine est kleptomane depuis l'Afrique. De source sûre. Je vais arriver à sa maison après. C'est comme ça que Nivakine est parti envoyer l'ensemble caleçon de mon ami malien. Si je manque, appelez Jonathan, appelez Tidi, demandez à Jérémy, demandez à Farid, demandez à Beyoncé, demandez à tous ceux qui connaissent les Chloé. Tout le monde sait que Nivakine avait volé l'ensemble caleçon. Tout Paris connaît ça. Je suis venu te clasher sur Facebook. Non. Maintenant, quand Nivakine dit que il m'avait prêté 200 euros. Vous savez les quotas, il faut souvent dire la vérité. J'appelle les mêmes gens qui étaient là à ton parce qu'il est parti me saboter là-bas. Et le Lefodja avait tout vu ça à l'époque, c'était en 2017, en 2018. C'était en début 2018, c'était à mon anniversaire. J'invite 30 personnes. J'avais pris, merci beaucoup, vous voyez que je dis la vérité. J'avais pris le Jibus, j'ai pris un VIP pour 30 personnes. J'ai compté, je marchais à Nivakine parce que j'écoutais le Lefodja. Nivakine ne voit chez moi. Nivakine rentrait chez moi, Nivakine dormait chez moi, je n'ai rien demandé à Nivakine. Nivakine et moi, on part, je marchais et Nivakine me fait souvent rire. Je rigolais avec lui, il était marrant, mais Nivakine sur le poison. Je vais arriver à sa famille tout à l'heure. Parce que, et je vais vous parler à la fin de son mariage qui n'a pas envie que je vous parle. On va arriver. C'est comme ça que Nivakine et moi, on part, je prends le gâteau. Ceux qui connaissent le Jibus Club, en face, il y a un grand magasin de gâteaux de Chinois qui font de très bons gâteaux. J'ai même oublié mon gâteau le jour-là. J'appelle Paris sur témoin. J'appelle un de partout. Si j'ai pas fait l'anniversaire là, au Jibus Club. C'est comme ça que Nivakine et moi, on part à deux, hein. Arrivé là-bas, Rachid, le serveur, me dit que, ah, tu as pris tout le temps, mais il y avait 7 personnes en plus qui sont ajoutées dans la liste. On dit donc que il faut que j'ajoute 200 euros, on me fait un prix d'amis. Je suis devant la boîte, avec ce qu'on m'a donné comme devis de 30 personnes. C'est là que Nivakine me dit que, ouais, je t'avance 200 euros. Quand tu vas partir à Reims, mais que Dieu, tu vas m'envoyer mes 200 euros. J'appelle Sydney, j'appelle les Fallon, j'appelle les gens de Jérémy, j'appelle, je ne vais pas, je vais appeler qui n'est pas appelé qui. J'appelle tout le monde qui était avec moi, qui ignore l'affaire de la châssis. Je n'ai même pas venu à mon mariage parce que, pas mon mariage, à mon anniversaire parce que il avait un souci et je ne sais pas quoi. Bon, bref, mais il connaît l'histoire-ci. C'est comme ça que Nivakine me donne 200 euros. Il boit, il danse, il fait les fêtes, il s'amuse. Je dis à Nivakine, on fait l'acteur le lendemain. Nivakine a baisé, mais avait un petit, avait un chanteur là-bas, Honorine. Beyoncé connaît la fête de lui. Ben, Beyoncé est devenu un acteur après. Le chien se sait que quand on va essayer de parler, c'est là que tu n'as pas envie. C'est comme ça donc que Nivakine, je dis ok, on a fait la tête, Nivakine a profité. Mon chien, ça fait 3 mois. Parce que ça fait là depuis 2000, ça fait depuis 2017, il est né le 5 octobre. Nivakine, moi je n'ai pas le... On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Moi j'ai le carnet de chien.
Mon chien est suivi, ce n'est pas possible. Regarde les factures. Et j'ai, mon chien est suivi, ce n'est pas possible, Mibakin. C'est ce qu'on appelle avoir un chien d'air. Regardez tout ça, c'est le chien de mon béto. C'est comme ça que Mibakin, les gens font l'acteur. Mibakin, me manque mes amis de Belgique. Mes amis de Belgique étaient là-bas. J'appelle mes amis de Belgique devant Mibakin. Et il me dit que maintenant on travaillait et tout, j'ai compris. Elandi que vous voyez là, c'est un gros menteur. C'est un menteur, c'est le plus pauvre d'un Kwandenge. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Nivakin est le plus pauvre. Nivakin a fait bientôt 3 heures chez moi, me voici devant toi. Elandi, tu t'es habillé. Il trousse encore les pantalons comme à l'époque de 2016 qu'il était entré. Nivakin, il faut apprendre à t'habiller. La veste verte qui est ta dernière valise là. Elandi, c'est les vestes que nous avons portées en 2009. Quand il y avait, oh Jack, mon autre là, Jack, on mettait les casquettes avec les gros chaînes, les t-shirts de Bimilo, ou bien Bob les ponches, chemise carrelée, avec les slims ou les vestes là. Donc maintenant, ça ne vaut plus rien. Donc tu ne connais même pas votre habillé et tu insultes les gens. Elandi, tu sais lire les catalogues? Je tiens à vous dire que Elandi avait dit que mon camarade de classe, qui s'appelle Adeline, elle avait appris à voler les caleçons à H&M. Mais si Adeline t'a appris à voler chez H&M, ça veut dire qu'il t'a appris à voler chez les riches. Vu que H&M est milliardaire. Toi, tu as volé un ensemble de caleçons rouges déjà porté. Maintenant, je quitte du caleçon. Je tombe maintenant à moi. Nivakin a commencé à me voler des choses comme ça là. Nivakin, tu connais ma veste rouge sinon? Appelez Sydney. Nivakin, la ceinture, si vous ne trouvez plus. Vous connaissez ma veste, ça c'est ma veste d'automne. Il y avait une ceinture. J'avais acheté ça avec mes fourrures. J'avais acheté ma veste rouge là avec les fourrures. Dans un dépôt vente en Belgique, partagez le dîner. Quand je quitte de la rue Asso, que je pars habiter dans, là où il y avait ma cuisine rouge là à Malakoff, où j'ai fait 3 ans là. Nibakin, je ne parlais pas de Nibakin. Je veux te dire à Jédé dans la maison que je cherche mes deux fourrures. Je cherche. N'est-ce pas, maman? Oh, Jack, maman, ne danse pas. Je cherche mes deux fourrures. Willem est parti avec une fourrure là à Paris, il ne m'a pas encore ramené. Et il y a l'autre fourrure qui était l'animal même que mon chien avait mangé. Ça avait fait le tout dont j'ai jeté. Et ma veste rouge de Tonsi. J'ai fait plus d'un an. Sachant que Elandi est parti chez moi en 2018, en début. Après la version, je ne parlais plus. Voilà comment je m'en vais chez mon ami Sydney. Je voulais quand même m'en chez mon ami Sydney. Mon ami Sydney habitait à Conflans-Sainte-Honorine. Pour la première fois, parce qu'il habitait là-bas depuis, moi, il ne partait jamais. Pour vous dire que j'ai même présenté Sydney et Elandi, je n'ai jamais dit à Sydney de ne pas vivre avec Elandi. Je n'ai jamais dit à Sydney de ne pas parler avec Elandi. J'ai même interdit Sydney de laisser Elandi faire les clashs chez lui. On va arriver à la fête de la nuit qu'on avait cousu. C'est moi qui va vous dire ça. Je vous dis que vous allez vérifier. Je ne vous manque pas. Je vous jure. Elandi, si tu te laisses, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Parce que toi et moi, quand tu m'as donné. Je vais vous montrer comment Elandi lui-même a donné rendez-vous pour me battre. Donc, Elandi, je te dis où je vais te croiser. Ça va partir à les mains. Je te jure que c'est moi qui vais faire du rang dedans. Et les ambés, Elandi, tes pépettes que tu fais là, me leurrent à Flassimo. Voici comment j'arrive chez Sydney. Comme tout le monde, quand vous avez des amis, il dit, oh, c'est joli. Quand même, pour dire, la maison de Sydney, là, vraiment, il avait plus de 150 mètres carrés de terrasse. Il y avait le chinois en bas, donc tout le haut, c'était Sydney, avec son appartement, chambre, salon. Je lui dis alors que je te vois le même coin. Si je me rends compte que Sydney et moi, on a le même placard. Je dis que, ah, on a le même placard, c'est joli. Quand j'ouvre le placard de Sydney, je vois ma veste rouge aussi avec mes deux manteaux. Mais quand je commence à trembler comme ça, en fait, je tremblais de déception que, hé, hey, ma poule, oh. Attendez, ma poule, si. Oh, c'est bon, je vais en commettre tout le parce que la poule, là, c'est pauvre. Comme elle est partie à la bataille. Voilà. Et là, dis-moi, je cuisine chez moi. C'est comme ça que je dis à Sydney que, merde. Après, Sydney, comment tu peux me voler mes manteaux? Et pourtant, on se connaît depuis. Quand elle partage tout mon terrain, même ton père est venu nous voir. Ton père connaît ma mère, on est là comme des frères. Parce que Elandi, écoute, je n'ai jamais été jaloux de ta relation avec Sydney. C'est toi qui as mis tout le nom de Sydney. Donc je me permets aussi de parler de Sydney. Mais Sydney, moi, vous allez voir qu'on a une relation de frère-frère. Parce que quand deux parents se connaissent déjà là, ce n'est plus l'amitié, c'est à la famille. Sydney me dit que non. Il part au Cameroun en août, c'était au mois de juin 2019. Il me dit non, Waris,
Ce n'est pas moi. C'est Adivaki. Voici même son sac ici. Donc, quand Jésus porte, il sort. Moi, je ne savais pas. Est-ce que moi, il porte les fourrures alors? Nivakim. Nivakim. J'ai pris le. À l'époque, Sinet travaillait chez Carrefour de Conflans-Sainte-Honorine. J'ai pris le sac Carrefour Mbanjo. J'ai plié mes manteaux. J'ai moi pris mon femme Banjo. Je suis arrivé chez moi. J'ai dit à Jaden, même Beyoncé connaît, a fait des manteaux aussi. Mes amis connaissent ça. J'ai dit que dans mes manteaux qui est disponible, c'est Nivakim qui a volé mes manteaux. Nivakim, et c'est toi qui dis que les gens ont raté leur vie. Nivakim, les gens ont raté leur vie. Tu as déjà insulté combien de mamans ici? Tu as fait l'erreur de venir insulter ma maman et ma tante. Je t'avais là dit. Tu, quand tu m'insultes, et là, je ne réponds pas aux esclaves. Et c'est le dernier direct que je t'accorde. Parce que dimanche prochain, oh, je vais publier ta maman qui porte les pantalons Morimo Watson, qui s'appelle Daniel. Son nom, je vais commencer par M-E. Donc, t'es perpète que tu fais la Nivakim. Fais ça à ceux qui ne te connaissent pas, nous. C'est toi les nœuds. Je t'ai jamais provoqué. Nivakim vous a menti que il va vous montrer les preuves. Nivakim vous a dit comme quoi, moi, Warissi Blanchard, c'est parce qu'il a fréquenté William. J'ai vu les snaps de William. Et comment c'est poussé. Je suis parti faire les paiements à William. Que William c'est son ami. Parce que Nivakim est toujours derrière. Nivakim, tu n'as pas d'amis. Je vais finir par le mariage de Nivakim. Vous allez comprendre que Elandi, c'est un menteur. Attendez. Voici William qui m'envoie. Je suis. Bah, attendez, je n'ai pas. Je vais vous expliquer bien. Pardon. Parce que vous n'allez pas comprendre. Nous sommes le 6 novembre. Elandi et moi. Et là, vous savez que, et là, il y a une histoire que, quand il parle avec toi au téléphone, après, il va te dire que oui, tu parlais de moi. Et là, je m'avais accusé que moi, j'ai un TikTok. Que je l'ai insulté sur le direct d'Adeline sur TikTok. Je vous jure que moi, j'ai un TikTok. Moi qui ai deux vues. Si j'ai un TikTok, n'est-ce pas mes petits balatois et mes petits balatoises vont me suivre sur TikTok. Je n'ai jamais eu TikTok. Vous allez voir toutes mes applications. Vous allez voir que je n'ai pas TikTok. Donc, c'est quelqu'un qui vit des sous-quartiers et d'où vient sa famille. Je vais tomber sur sa famille tout à l'heure. Voici donc William, je suis au téléphone avec Lolo Fondia. Nous sommes le 6. Nous sommes le 6 novembre. Vous allez voir que voici Lolo Fondia. Voici Lolo Fondia. Voici Lolo Fondia. Regardez bien. Voici Lolo Fondia. Vous voyez sa photo. C'est Lolo Fondia. Vous voyez? C'est bien Lolo Fondia. Nous sommes le 6 novembre. Voici William. Vous allez voir que c'est écrit quoi? Le 6 novembre. Quand William m'envoie les stories. Et après le Lofoda, j'ai eu Aïcha. Aïcha et Emilio au téléphone. Voilà Aïcha. Voici William, toujours. Voici William. C'était le 6 novembre. Maintenant, voilà la capture de quand que William m'envoie. Regardez. Lisez. Kim. Attendez. Nivakim. Voilà. Il dit en gros que dis ta Wang. Ouais, comment ça va? Je n'ai même pas peur de toi. J'ai pas peur. Mais alors là, attendez, lisez. Donc, bref, c'est lui qui me donne rendez-vous, j'ai pas le temps de faire. Voilà donc William donc qui commence à le clasher sur sa story. Donc la story à William. Moi je suis pas amené avec William, parce que si j'étais amené avec William, j'aurais vu cette story. Regardez. Je t'ai dit. Voilà William qui est. Pardon, toi, parle avec lui. Fais film d'autre. Je t'ai dit, tu ne me mouilles pas. Il menace lui. Voilà William. Qui m'envoie ses stories de lui de Snapchat. Vu que je ne suis pas Nivakim, il aime ses snaps. Je suis resté couché. Tu m'as pas un maudit, moi, t'as un bas bien comme ça, tu fous. Nivakim, tu me vaux même pas. Quand on te place, on me place. Bon, vous voyez donc qu'il m'envoie ses stories. Il m'a envoyé ses stories. William m'envoie ses stories à lui de Snapchat. Parce que William, Nivakim, nous sommes quatre à te botter. Moi, je vais te croiser. Ne fais pas le direct pour dire que tu me donnes rendez-vous, Nivakim. Non, je vais t'attraper. T'es pépette. Ici à Rouen, pépette, tu es connecté là. Les tatas rentrent ici. Quelqu'un peut dire que moi je sens mauvais. Nivakim, tu dis que moi je sens mauvais. C'est toi le kleptomane. Dans ta famille, je vais tomber sur ta famille. Donc vous voyez donc que William, il est parti même dire à William que dis à Rouen, est-ce que je me suis bien passé? Nivakim, tu te maries pour moi. Tu comptes. Déjà, tu parles des conneries. Je vais donc te dire quelque chose avant-hier. Nivakim, toi tu es avec le blanc. Hein? Le direct est bon à vous, est partagé. Nivakim, toi tu m'as dit que. Tu dis que moi mon mariage, Nivakim, quand j'ai rencontré ma personne, mon ex, c'était en 2010. Je me suis passé en 2012. Je me suis séparé en 2015.
C'est moi qui suis parti du mariage. Mais tu ne connais pas. Vu que j'étais seulement donné une parenthèse, tu ne connais rien. J'appelle Henri. J'appelle Dimitri. J'appelle Jonathan. J'appelle Samantha. Il y avait beaucoup de gens comme cela. Tout mon mariage était bien payé, tout payé. Le lendemain du mariage, tout Paris connaît ça. J'appelle qui encore même? Les Baflo. Les Bassetti. Qui ignore ça? J'ai eu l'enveloppe de cadeaux, 5 500 €. Jérémy même est venu le lendemain, même au toit la BBB. J'ai pris le folie Spigal avec 3 000 €. Je suis parti à la Piedra à l'époque de Arafat. Tu n'as pas connu la Piedra. Tu es encore villageoise ou villageois. Tu connais quoi dans mon mariage? Ton mariage précaire. Je vais parler de ton mariage. Ça, c'est la fin. C'est pour finir. Je vous annonce que Nibakin vient d'une famille des kleptomates et des prostituées. Voilà Monroe, voilà Monroe Smith. Tu étais témoin de mon mariage, non? Tout était payé, non? Même les logements, Nibakin. Voilà les vrais mariages, alors. Nibakin, je vais te faire un challenge tout de suite. Tu vas me dire ce que toi, tu as déjà fait parce que toi, depuis, tu dis que les gens ont raté leur vie. Alors, je vais te montrer. Puisque ta maman, je vous ai une parenthèse. Quand Marie-Louise Mbaga, quand Nibakin était chez moi, Nibakin faisait ses petites prostitutions à 2 balles. Nibakin a commencé à insulter Lolo Fodja et Marie-Louise Mbaga. Moi maintenant, vous savez, je suis loyal. Et puis Nibakin, je commence à ne plus vouloir vraiment l'amitié parce que Nibakin est vicieux. Hein? Nibakin est vicieux. Je vais vous dire ma poule. Attendez. La poussière. Attendez. Moi, je ne peux pas chez moi, Nibakin. La cuisine de ton mari, maman, la cuisine de la gloire. La cuisine de ressemble à ton nombril. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a les nombrils. Le nombril de Nibakin ressemble à un pangolin. Ta cuisine ressemble à ton nombril. Tu vois les avants qui sont nés sous l'arbre. Ou un lacement coupé sur la machette. Le nombril de Nibakin ne coupe pas comme ça bouche au nom. À cause de faire le conso. Nibakin, quand on dit que les grands rangs moches, c'est vrai. Nibakin, tu dis que les gens, Adouna a le zone, regarde ma peau. Regarde Nibakin. Je n'ai pas de bouton, regarde. Nibakin, regarde même ici. Je n'ai pas de bouton. Tu as vu ton visage? Je vais tomber quand tu as fait la maladie et qu'on opère ton anus. On est là, je ne cours pas, Nibakin. Contrairement à toi qui. Toi, tu es insulté comme au Cameroun. Je vous dis que mes comptes, entre parenthèses, c'est qui a tué Nibakin, que moi, m'étais mort de rire. J'étais assis avant-hier, j'étais à Paris. J'ai fait 3 jours. On a mis le dire de Nibakin. Nibakin, où tu as tué? Toi, tu es insulté bien que les. Que ça touche au moins les gens qui sont à côté. Tu as dit que j'ai divorcé, que je vais se marier une semaine après, je suis parti trouver mon divorce à la maison. Ça montre que tu. Ça, c'est le pur sabotage. Et puis, tu as dit que ma personne te traite. Quand et où? Tu étais là en France, non. Et puis, de toi, Nibakin, tu as osé dire que moi, j'étais en cure de désintoxication. J'étais interné. Donc, moi, j'étais interné. Mes amis ne connaissent pas. Ma famille ne sait pas. Moi-même, je ne suis pas au courant. Mais c'est toi qui viens m'informer que tu es interné. Oh. Adama, on t'a dit. On peut venir d'une famille aussi bête. Je vous informe que de source sûre, Nibakin n'a pas eu le CEP. Moi, nous, on a eu le CEP ensemble. Je vais venir à Nibakin. Nibakin est à l'école du plateau. Parce que sa grand-mère qui est là-bas. Si vous voyez où la grand-mère Nibakin habite. Eh, Nibakin, non, tout ça gueule là. Tu as dit que les gens n'ont rien fait. Les gens font le waka à 40 euros dans les camions. C'est pas que nous, on fait le waka alors, comme tu dis, mais nous, on fait ça en euros. Ta mère fait le waka en France. La mère de Nibakin aura 50 ans. Elle s'appelle Danielle. Elle aura 50 ans dans quelques temps là. Alors, je vais vous montrer. D'abord, mes réalisations. Déjà, pour te montrer un peu la conversation d'un enfant et sa mère. Pas tes niamselles que tu fais là. Ma mère s'appelle Didienne. Et tu sais que ma mère s'appelle Didienne. Jeff est connecté. Monroe est connecté. Beyoncé est connecté. Je vois tous mes amis connectés là. Ils savent que ma mère s'appelle Didienne. Je ne suis pas un affabulateur comme toi. Tu affabules trop. Alors, Didienne. Voici ma mère. Voici une conversation. Une conversation d'un enfant et sa maman. Regardez bien le long. Bon, c'était là que jeudi j'ai mangé au restaurant où j'ai dit que pendant qu'il garde les chats. Voilà que quand il finit de manger, je suis parti envoyer 200 000 à ma mère parce que ma mère voulait le ciment de 200 000. J'ai envoyé 250 000. Voilà le dieu que l'enfant envoie à sa mère pour le ciment. Écoutez. Je me voilà 250 000 que j'ai envoyé sur West Union parce que ici là à Mont, il n'y a pas de. Je ne vais pas les garder. Donc, je suis obligé de prendre mon compte de la poste pour t'envoyer ça là. Donc, voilà 250 000. Tu achètes alors ce que tu devais acheter pour la maison alors. Tu croyais que c'est quoi le sable là? Bon, appelle-moi quand tu as récupéré. Oui. Bon. Allô. Qui comprend Ngumba? Voilà. C'est pour dire que j'ai pris. Donc, quand je viens manger, je vais faire mon ami. J'ai envoyé 250 à ma mère.
Regardez la conversation d'un enfant et une maman. Tous les jours, on s'appelle. Ma mère m'envoie les ciments qu'il faut compléter. Ma mère m'envoie les tissus, les chantiers, ceci, cela. Regardez bien l'enfant qui pose à sa mère. Les ouais, Seigneur, les monnaies, les ceci. Regardez comment un enfant gâte sa maman. Regardez bien mon temps, 40 000. Je les envoie dans les 40 000. Les 40 000. Regardez bien. Regardez le, comment un enfant pose avec sa maman. Tous les jours. Regardez le temps. Tous les jours. Un enfant pose avec sa maman. C'est une miracle. Regardez. 50 000. Tous les jours, je pose à ma maman. Tous les jours, je pose à ma maman. Je dis que tu regardes. Voilà, regardez comment je pose à ma maman. Tous les jours, je pose à ma maman. J'envoie l'argent à ma maman tout le temps. Je vais maintenant te montrer ce que je fais à mon jeune âge que tu n'as jamais fait. Excusez-moi pour le son, j'ai mis la main en bas. Bon, ok. Voilà donc ce que je cause. Pour vous montrer que quand je cause à Sydney, voici Sydney ici. Parce que c'était l'ancien numéro d'Adèle. Je n'ai pas changé le nom, mais c'est tout Sydney. Sydney Vakin. Nivakin, voilà. Voilà ce que je parle avec Sydney. Parce que toi, tu parles. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, dites-moi oui, je vais vous montrer. Vous n'entendez pas? Ah, tiens, quel volume encore? Vous entendez? Ou il a été signalé peut-être. Vous entendez là? Dites-moi si c'est bon, je vais vous montrer. Parce que je fais le challenge de Nivakin. Vous entendez ou pas? Dites-moi oui ou non. Quelqu'un qui a les boutons sur le visage, le zone là. Nivakin, regarde bien, je n'ai même pas. Voilà. Bon, voici maintenant Sydney. Voilà pour vous dire que je ne parle pas les inepties avec Sydney. Regardez quand ma mère m'envoie ce que ça, c'est mon immeuble. Allez voir. Remarquez bien mon chantier. Ça, c'est mes appartements. Les vaquins qui disent qu'elles n'ont rien fait. C'est où ma mère habite. Ma mère est propriétaire. Regardez, l'immeuble que sont les faits au Cameroun. Je suis encore au début. Regardez. Pardon, mettez le cœur pour m'encourager. Oui, Nivakin. C'est ma mère qui me montre les mieux. C'est trois bâtiments en bas, c'est trois en bas. En mars, je vais couler la dalle. Nivakin. Tu dis que là, on a raté la vie. Tu connais le problème de pandémie. Ma mère n'est pas la Ngumba. C'est la Ngumba. Voilà, mettez les cœurs. Mais félicitations, Waris. Moi, je suis fier de ce que tu es en train de faire. Nivakin, toi, tu fais quoi? Voilà. Je suis enchanté. Nivakin, je suis enchanté. Voilà. Nivakin, je donne le cadeau au Camerounais. Voilà. Regardez l'immeuble que je suis en train de faire, Nivakin. C'est pas pour monter maintenant la suite. Tu n'as pas quelqu'un n'a rien fait de sa vie. Demandez qu'il vienne challenger avec moi, qui me montre ce qu'il a fait. Voilà ce que moi je fais au Cameroun. Donc même si je meurs demain, les papiers de ma maman, les papiers de ma maman est propriétaire. C'est moi qui ai dans les papiers. C'est moi qui ai acheté mon terrain. J'ai 1000 mètres carrés, Nivakin. C'est moi qui ai acheté mon terrain. Et je sais vous préciser que, à côté, j'ai fait une fondation de ma petite villa que j'ai fait l'été dernier. Vous vous rappelez, vous avez mis ça sur Facebook, non? Voilà la suite que c'est mon cousin même qui m'a envoyé ça ce matin. Et je tiens à dire à Nivakin que, chez nous, je suis la mauvaise graine. Je fais peut-être le waka. Je fais ceci. Je suis cela, mais ma famille, tout le monde est clean. Mais chez toi, toute votre famille, vous êtes des prostituées. Je vais vous prouver A plus B. Bon, voici maintenant la suite que ma maman m'a envoyée aujourd'hui. Regardez, voici la suite.
Parce que je sais à vous dire que mon petit frère que vous allez voir, il avait dit à ma maman que maman, comme moi le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a les gens, vous avez vu les ouvriers qui travaillent. Et le samedi, dimanche, c'est le maçon même qui travaille avec mon petit frère. Mon petit frère lui dit qu'il veut, comme il prend 1500, il a 1000 francs par jour, Nibakine. Il a 5000 par semaine parce que c'est le lundi au vendredi son école. Nibakine, c'est moi qui paye. Mes frères prennent les diplômes dans mes mains. Pas toi, moi j'ai deux. Nibakine, ma soeur ici, là, je connais ce qu'on appelle acheter un billet d'avion. Toi, tu ne connais pas ça. Donc, je vais montrer que Nibakine, tu ne vaux rien. Voici la suite. Vous allez voir la suite que mon cousin m'a envoyé aujourd'hui. Vous allez voir mon petit frère. Attendez. Voici mon petit frère. Regardez. Voici le technicien Mathieu. Ah si, regardez. Il a depuis le matin. Écoutez. Ils ont commencé même pas. Voilà. Voilà Mathieu. Voilà mon petit frère. Un battant. Il est de son grand frère à faire la maison. Il va se faire une famille. Il va qui, regarde. Voilà, je dois nous aider dans l'appareil. Entre les deux, c'est le plus de la joie qui nous montre. Voilà. Regardez. Voici. Nibakine, tu vas me faire le challenge avec moi. Voilà. Voilà Mathieu, papa Mathieu, là-bas. Voici encore mieux qu'on était. Voilà ça. Voilà. Mon fils, du courage. Vraiment. Il faut voir ta villa. À côté, vous allez voir une autre fondation de ma villa. Deux chantiers, Nibakine. Regardez, à côté. Il faut encore toujours envoyer. Voici maintenant la fondation, notre fondation que je te montre ici qu'on devait faire. Voici la fondation là. Je vous montre d'abord les murs, voilà les parcs. Voilà les parcs, ça c'est mon autre chantier. À côté. Il y a encore les parcs à terre. Voici notre fondation. Mon fils, que Dieu te bénisse. Vraiment, il faut envoyer parce que tu es en train de faire le travail. Voici le chantier là. Ça c'est mon deuxième chantier à côté. C'est ma maison un pied qui veut fixer les fils de mes appartements. Nibakine, tu vas challenger avec moi. Le billet là. Voilà une troisième chambre qu'on va faire. Voilà la cuisine ici. Ça, c'est ma villa à moi, un pied qui veut fixer les appartements. Nibakine, tu vas me montrer ce que tu as fait. Papa Mathieu, voilà le mur, comme tu vois, papa Mathieu au travail. Voilà où on va tout faire. Merci pour les cœurs, merci. Bon, bref, je sais que ça c'est marrant que je vais continuer à vous montrer. Donc, je suis en train de dire à Nibakine que, Nibakine, je veux le challenge. Non, c'est parce que j'aime regarder. C'est le pull est large. C'est le pull qui est large. Comme il fait, regardez. C'est le pull qui est large, regardez. J'aime le pull. Parce que Nibakine, c'est pas habillé. Ça, c'est des dogs, ça, c'est Doc Martins. Il ne connaît pas. Donc, Nibakine, je te dis à partir de maintenant que tu n'as plus jamais dit à une maman qu'elle n'a rien fait de sa vie parce que nous, on veut voir ce que toi tu as fait. Et je remercie Sidney parce que Sidney n'a jamais dit. Comme tu as vu aujourd'hui, comme tu vas voir là, tu n'as plus jamais voir la suite. Nibakine, toi tu fais quoi? On code bon. Voici le cul de Nibakine. Quand Nibakine fait les annonces, j'ai ses photos, mais je vais publier la semaine prochaine à sa maman. Parce que. Voici Nibakine. Attendez. Voici Nibakine ici. Nibakine, regarde ton cul. Non, j'ai même mis ça à ma story. J'ai même mis ça à ma story sur WhatsApp. Nibakine, toi, tu parles les gens. Voici Nibakine ici. Voici Nibakine. Nibakine. Là où il y a ta tête, c'est la semaine prochaine que je vais mettre ta maman. Parce que moi, vous savez pourquoi je vous dis que je ne vais plus vous prendre à Nibakine. Nibakine, c'est un pauvre lot. Nibakine, c'est le dernier. Nibakine, tu dis que je vais prendre 40 euros. Maintenant, l'affaire de l'anus, je parle de l'affaire qu'on a opéré l'anus. Écrivez-lui si vous voulez parler. Oui, c'est ça, c'est le pull. Je vais éteindre le truc, pardon, tu vas partir, Miguel. Je parle de l'anus, écrivez-lui, je vais voir au moins 3, même 108. Je parle de l'anus. Je parle de l'anus. Nibakine, je ne peux plus jamais, je ne collabore plus avec toi. Je te dépose. D'accord, Maléba Perpetua dit oui, je parle de l'anus. Parce que vous parlez sur la toile, vous ne connaissez pas la vérité. Ah, Nibakine, toi tu es zéro. Ah, oh, merci, bravo. D'accord, alors, pour l'anus, qu'est-ce qui s'est passé?
J'appelle Beyoncé qui commente ses bonnes billets. J'appelle Paris. On connaît cette histoire de la Nussi. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour savoir qu'on avait opéré la nuit. Parce qu'à l'époque, Ciné Marché, mes mères et l'oncle Clarisse. Je tenais à faire une parenthèse que Nibaki était jaloux de l'oncle Clarisse, qu'il a voulu, il a caché l'oncle Clarisse une semaine après chez nous. Je lui ai calmé une Ciné. Comme vous voyez, la française, il enroule les grosses voitures. Nibaki, je n'ai pas les grosses voitures, mais j'ai un chantier, une fondation qui perd plus de 15 000 euros. Tu veux parler avec moi, Nibaki? Donc maintenant, je vous parle maintenant de la nuit de Nibaki. Et d'ailleurs, je tenais à souligner, je vous jure tout ce qui m'est cher. Demandez à Lolo Fodja, demandez à tout le monde cette histoire que je vous parle aussi. Donc, Nibakin et moi, on se retrouve. Nibakin d'abord vient me trouver à Reims. C'est même pas moi qui appelle Nibakin. Nibakin avait pris l'hôtel B&B Hôtel derrière la gare. Ceux qui connaissent Reims, c'est derrière la police vers Saint-Clair, place Saint-Clair. J'appelle Reims ici. Voici comment Nibakin arrive avec son ami malien qu'on appelle Tina. Les Dorgelès connaissent le Tina là. Parce que je cite, il avait dit qu'il connaissait les Dorgelès. Nibakin a fait 4 jours, il n'avait pas work. Et il y a un petit malien qui vient d'arriver, quoi qu'il a du beau air. Il était son frère, avec un accent prononcé un peu trop blédard. Le gars est venu nous trouver. Le gars, non, moi j'habite à Reims. Moi j'habite à Reims, j'étais à Reims avant le lot. Et je ne te permets pas de dire pipi, s'il te plaît, parce que si tu dis encore pipi, je vais devoir te bloquer, s'il te plaît. Anna, Liliane, Kelly, écoute le Japa, mais si tu appelles le pipi, il va te bloquer. Chez moi, je ne suis pas comme ça. Honnêtement, je te dis la vérité. Merci. Et il y a le matin, Nibakin a fait 4 jours. Nibakin portait une ballerine taille 50, parce qu'il a un grand pied. Avoir un long manteau, parce que lui, il avait même pour un manteau de chinois. C'est pas comme moi qui porte les manteaux comme ça, là. Quand vous, je veux dire, Nibaki ne sait pas s'habiller. Quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. C'était pas que la catéchèse qui était comme ça. Nibaki ne sait pas s'habiller. C'était déjà les manteaux qu'on prend chez les Chinois là. Non? Les marques fashion. Avec la grosse ballerine. Le petit malien là vient me voir me faire. Il vient me dire bonjour. Je dis, va là-bas toi. Le gars avec deux pieds de 10 euros. Hein, je vous jure, sur la maison que ça a été construite. Ma maman, moi-même. Je sais déjà Nibaki que le gars, s'il arrive, il dérange les gens, pardon. Nibaki me dit, ah, comme elle me rentre demain là, les 20 euros qu'elle va me donner là, même moi, depuis là, je n'ai rien. Les 20 euros qu'il va me donner là, je vais partir. Je vais payer mon billet de TER le lendemain pour rentrer à Paris. Nibaki, le gars, je vois Nibaki qui dit au gars que montre-moi ton bangala. Le gars a sorti, le gars avec l'anaconda comme ça. J'appelle la communauté de Reims. Ceux qui sont au quartier Châtillon, si vous entendez qu'il y a un malien, il est malien sénégalais, toi c'est un West African, petit de taille riche, son frère, qu'il est séropositif, c'est Nibakin. Je m'explique. Je n'aime pas accuser les gens pour rien. Je m'explique. Nibakin est tombé, il a fait un malaise. Nibakin a. Moi, je n'aime pas camoufler, je n'aime pas mentir. Nibakin a fait la maladie du sida. C'était au 31 rue de l'ambassadeur à Conflans-Sainte-Honorine. Tapez chinois, restaurant chinois, Conflans-Sainte-Honorine. Sinon, la juste là-bas, donc je m'en fous. C'était à haut du restaurant là. C'est Sidney qui a appelé les pompiers. Donc, quand tu appelles les gens qui sont séropositifs, tu dis qu'à donner moi, on prend le poids parce que. Tu dis qu'on prend le poids parce que. On prend les anti-rétroviraux. Mais si on prend le poids et qu'on prend les anti-rétroviraux, il va qui. Ça veut dire que nous, au moins, on est les gens fiers. Mettez bravo pour moi, Adelina. Dites bravo, Boris, bravo, Adelina. Donc, si moi, Adelina, on prend les rétroviraux, on grossit. Et on grossit. C'est parce qu'au moins, on est les gens qui avaient une santé saine. Nibakin a fait le sida. C'est comme ça, vous savez que le sida amène plusieurs maladies. Vous savez que le sida amène plusieurs maladies. Mon chien, si tu aimes trop faire le niaret, va là-bas. Non. Je suis en direct avec Nibakin. Tu attends là-bas. Donc c'est comme ça que. Va là-bas. C'est comme ça donc que. Nibakin, quand il s'est fait interner. Vous comprenez? Nibakin s'est fait interner. Rappelez-vous l'époque là quand Nibakin avait fait en direct. Où il y avait une grande. C'était un grand balcon, c'était chez Sydney. Qu'elle avait dit que je vais descendre des abeilles. Je suis plus avec les abeilles. Fleur de l'île, on m'a opéré. J'étais hospitalisé. Tu n'es pas venu. Nibakin avait fait la maladie. Donc tes petites pincettes que tu fais là, tu vas le faire à ta petite maman qui a les petits pieds comme toi là. C'est comme ça que Nibakin, c'est comme ça que votre Nibakin
On va détecter que là-bas dedans, vous savez que le sida amène plusieurs maladies quand tu te négliges. Ben, le sida, c'est pas le VIH. Tu peux stabiliser ton VIH, on baigne, même en Afrique. Ni va qu'il ne se soigne pas. Et c'est le petit enfant là. Je tenais à vous préciser que j'étais au téléphone un dimanche. Je partais à place d'Alain de Reims pour lâcher les cigarettes. Et moi, mes amis, les Jonathan et les autres, on t'a parlé au téléphone qu'on ne sort pas le dimanche, on va se le dimanche après. On décore, on s'est fait les concurrences pour voir qui serait le mieux habillé. C'était pas en 2019, c'était en 2018. C'est comme ça que je prends. C'est quoi que je souhaite faire, mes amis? Je croise le Malien qui était parti, Pinev et Nivakin, qui a donné 2B de 10 euros à Nivakin. C'est comme ça que. Il me dit bonjour. Ce gars-là, franchement, mes côtes, ça me fend le cœur parce que j'espère que le gars-là n'est pas malade. Il me dit bonjour. Tes copines, elles vont bien? Je dis que oui, mes copines vont. Elles vont bien, ma copine va bien. Il me dit que. Ah, tes copines, elles allaient trop bien baiser. Si je savais qu'il allait me raconter les cochonneries, j'aurais raccroché mes amis, parce que j'avais les écouteurs et on parlait en conférence. Il me dit, j'allais baiser 4 fois. Il dit, ah, et lui, alors que, en guise de blague, tu as baisé ma copine 4 fois, tu n'as même pas donné même 200 euros, tu es trop radin. Il dit, non, je l'ai donné 20 euros, je l'ai accompagné à acheter les croissants le matin et tout. Nivaki n'avait pas vu le ndolo, maman. Le gars a dit, je l'ai zi 3 fois dans le cul, 1 fois dans la bouche. Mon ami a dit, Nivakin prend le sperme en bouche, wesh. Donc si l'enfant le tuer est malade, c'est toi et Landy. Parce que ça n'a pas fait 3 semaines, tu es tombé malade ici. Tu as fait le sida. Et Landy, je n'ai jamais fait quelque chose. Tu as fait le sida. Donc quand tu passais à confiance de ton oeil, quand tu avais opéré la muse. Donc moi je vous dis, et Landy, je suis en guerre avec toi. Moi c'est pas adolé là. Tu peux être à côté des inactifs des mélènes. Moi j'ai gardé la cour commune. Même si c'est les cours communes, on peut même faire une cour commune. On cause, on rigole. Toi tu as dit que il va se faire les animaux de ça là, Adolina. Je suis comme toi, enfant de pauvre. Je vous dis alors que Nivakin. On va aller à Mélène, je suis là-bas avec Mbeng. Voici comment Nivakin a fait la maladie. J'avais dû raconter l'histoire sur Lofoja. Le Lofoja était avec la chance un jour. Elle est balancée un jour. Non! J'étais clashé un jour. Est-ce que c'est évident que j'étais clashé? Je pourrais faire les faux profils pour parler de ton histoire. Tu as entendu ça un jour sur Facebook. Je vous dis que Belgique, allez demander aux gens de Paris. L'Italie, Nivakin, tu dis que toi-même tu dis les choses, tu te contredis encore seul. Tu veux me clasher, Nivakin, tu es bête. Moi je parle de trucs cohérents. J'appelle la Belgique, allez vérifier Kacham. Tout ce que dit là, Nivakin, tu dis que moi, lui-même dit à vous, lui seul dit qu'elle. La personne avec qui. Ouais, si c'était vraiment un Camerounais, après d'abord, hey, le Camerounais avec qui toi tu vis chez toi là, c'est parce qu'on a découvert qu'il est Guanengue, ses parents l'ont mis dehors, comment l'a rejeté. Nivakin, tu lis les lettres dans les enveloppes. J'appelle Beyoncé, j'appelle William, j'appelle les Kennedy, j'appelle tout Paris, la personne avec qui je vis dans ma maison depuis 2 ans et demi. Cette personne s'est fait chasser par ses parents, vu que actuellement la personne avec ses parents. Nivakin, tu lis les lettres dans les enveloppes. Maintenant, tu dis que. Tu dis que. Moi, je peux vivre. La personne veut dire. Nivakin, je vais donc dire à la famille de Nivakin. Je tenais à souligner que. Liliane, la tante de Nivakin qu'on appelle Liliane. Si quelqu'un, je dis que je vous donne mon numéro de téléphone. Parce que la fille qui me j'ai envoyé 15 000 m'a envoyé les photos. Je veux la vidéo de la tombe du grand-père de Nivakin qui s'appelait Papa l'Américain. Nivakin, tu ne vas plus jamais citer mes parents. Papa l'Américain, c'est le grand-père de Nivakin. Si vous voyez la grosse croix qu'il y a devant la maison de Nivakin. Nivakin, tu avais un stade de lune après la lune, là, une maison bizarre. Nivakin, tu ne sais pas que si moi j'avais la maison familiale, comme vous avez la chance là d'avoir des maisons. C'est que Nivakin, c'est que j'ai déjà cassé ça, vu le prix de mon terrain. Tout ce que j'ai cassé, fait même 2 niveaux. Nivakin, c'est toi qui parles aux gens. Nivakin, je tiens à dire à. Déjà, je fais la talakou. Moi-même, d'abord, je mets 20 000 en jeu. Appelez-moi Mélène, parce que toi, la fille, tu sais que tu vas voir là, tu me vois là. Mais je te dis, m'envoie la vidéo, tu vas encore 20 000. Envoie la vidéo. Je veux la vidéo où il y a la maison dedans, l'intérieur. L'intérieur. La grand-mère de Nivakin, le frère de Nivakin, Nivakin, tu as osé venir mentir sur Facebook que tu as pu le permis à ton frère, Jadama, Nivakinus. Nivakin, tu as payé quel permis à ton frère? Ton frère fume le chanvre. Quand je vois Nivakin, tu dis comment Nivakin va venir me dire, donc, où est ton bilan, Nivakin?
Tu as quitté le Cameroun en 2010. Et je tenais à vous dire que Nibaki n'est jamais parti par un blanc. De tout ça, je vous jure sur la tombe de ma mère, c'est que ça te construit. Nibaki a volé l'argent à une fille qui était sa voisine, qui était avec un blanc. C'est la fille de Mélène là qui m'a raconté tout. Et c'est ça, on confirmé. On l'appelle Junior. J'ai vu, on m'a envoyé, j'ai les photos là. Nibaki, tu n'as pas renouvelé la maison familiale. Étant donné que tu es censé avoir, tu es censé vivre avec un millionnaire. Bah oui. Étant donné que tu vends le piment. J'ai tes photos du piment ici, Nibaki. Te voici qui vend le piment. Toi, tu comptes nos annonces. Tu comptes notre piment. Mais moi, je te fais le challenge. Tu vas nous montrer ce que toi, tu as fait. Pas tes magnons. Le plus pauvre lot. Alors, voici Nibaki. Une seule photo de Nibaki. Voici Nibaki. Voici Nibaki. Nibakinus. Je ne vais pas montrer ta mère maintenant. On a appuyé ta mère. Je vais pas la republier. C'est qui ici? Nibaki. Ce n'est pas toi ici quand tu fais le waka. Ce n'est pas toi. Donc, dans tout le wakasi, Nibaki. Il fait le waka avec les photos filtrées. Il filtre même. Nibaki. Ce n'était pas ton annonce ici. Sydney, tout le monde là, les Chloé, ce n'est pas Nibakine ici. Nibakine, tu peux me clasher. Moi, je te clash pop. Et on écoute ce qu'il dit. Moi, je ne fais pas comme toi. Toi, tu es un enfant de mauvaise famille, de pauvre famille. Il a. C'est ton problème. Moi, je dépose ta page. Je ne vais plus jamais te prononcer. C'est ta mère que je prends dimanche prochain. Ta maman, c'est ta maman qui va publier encore. C'est ta mère que je vais insulter, tu vas insulter ma mère. Je vais insulter cette maudite. Bon, je vais pas insulter, mais je vais insulter la semaine prochaine. Et finalement, avec aujourd'hui, à saut final. Nibaki, où est passé ton nom du piment? Si je donne mon numéro de téléphone, 0033-6-25-88-10-17. Je répète, 0033, écrivez, 6-25-88-10-17. Répétez. 0033-6-25-88-10-17. 0033-6-25-88-10-17. Celui qui veut la rendre des fêtes du Cameroun, envoyez-moi la vidéo de la maman, de la grand-mère de Nibakine et avec la tombe et son petit frère. Ne parlez pas, je vous envoie 20 000 francs tout de suite. Nibaki, tu oses venir dire sur Facebook que moi, je mange le RSA en Europe et que je n'ai pas de compte bancaire. Donc, déjà, vous avez écouté qu'elle dit à ma maman que je prends dans mon compte de la poste. Dans mon compte, 00336258010. Non, c'est 1017, pas 07. 1017, rectifie, c'est pas 1007. Nibaki, tu es tellement villageois et parvenu. Tu dis que les gens n'ont pas de compte bancaire. Tu sais pas qu'en Europe, toute personne qui réside en Europe a droit à un compte bancaire. Voilà moi un villageois qui raconte les conneries. Enfant de pauvre. Enfant de pauvre qui arrive à me baigner la fin la carte bleue. Il croit que la carte bleue c'est la. Il fallait que nous montrer ce que tu as dedans. Nibakin, je vais te montrer que, contrairement à toi, tes pipeaux que tu fais là, tu vas mettre ton petit cul où je pense. Ça, c'est mon petit compte que j'ai pris l'argent pour envoyer à ma mère. Vous voyez bien que c'est la poste. Vous voyez bien que c'est la poste, non? C'était jeudi, vous voyez, non? Solde qui reste dans mon compte, 587,42 €. Ça, c'est la poste. Ça, c'est la poste seulement. Ça, c'est la poste que j'ai. Je n'ai pas pris la carte bleue parce que je n'ai pas envie de payer les frais de carte. Nibaki dit que je n'ai pas de carte bleue en Europe. Parce qu'il est venu écouter ce que l'idiot qui était chez moi ici racontait. Comme vous avez lu les lettres dans les enveloppes, vous partez, on t'a hébergé chez nous. Tu as mangé chez nous, mais tu as réalisé quoi? T'es rayon. Nibaki. Regarde, ça c'est quoi ça? Je vais cacher mes chiffres. C'est pas moi ici. C'est qui ici? 2025. LCL Bank. Nibakin. Qui n'a pas le compte bancaire? Ça fait deux comptes, non? La poste plus la LCL. Voilà. Maintenant que je fais mes achats en ligne, même comme j'ai mis ma pièce d'identité, voici la PCS qui porte aussi mon nom. Nibakin. Toi, tu dis qu'il n'a pas les comptes bancaires. Il a osé dire que je vis du RSA. La seule chose que j'ai fait la demande, c'est l'aide au logement. Vous allez voir, je me connais sur la CAF. Parce qu'il veut vous montrer que vous êtes une Nivakine, c'est un gros menteur. J'ai refusé de manger le RSA. Je vais vous montrer que une Nivakine, c'est un gros menteur. Attendez. Je vais vous montrer à plus bête que Nivakine, c'est un menteur. C'est lui qui n'a rien fait. Tu n'as pas honte, tu viens. Attendez, ouais, la salope, tu vas me trouver ici aujourd'hui. Je te fie, finis avec toi aujourd'hui, au final. Je commence à publier ta famille dans mon. On va finir par voir ta grand-mère ici sur Facebook.
Alors, je me connecte. Vous allez voir que je ne raconte pas n'importe quoi. Voilà mon nom. Attendez. Connais-toi. Attendez. Je vais vous montrer que Nibakin, c'est un gros menteur. Voilà. Regardez bien. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà ça. Vous voyez que ce n'est que... Attendez. Vous allez voir que même la queue, ce n'est que ma demande d'aide au logement. Voilà ça. L'aide au logement. Est-ce que vous avez vu RSA? Vous avez vu RSA? Non. Est-ce que vous avez vu RSA? Je clique même là. Vous avez vu écrit RSA? Jamais. Je n'ai pas le RSA. L'aide au logement. Pas de RSA. Donc quand tu mens sur les gens, je n'ai jamais demandé. Je ne demande pas le RSA, Nibakin. Donc, contrairement à toi, je vis mieux que toi. Nibakin, je demande le RSA. Voilà un menteur, donc, que vous voyez qui raconte des sauteries chez les gens. Est-ce que la CAF ment? Nibakin, tu sais pas qu'on dit ça en bon français que avant de faire la guerre avec l'adversaire, on étudie. Toi, tu connais Clashé, t'as des larmes, toi, tu fais l'étude de votre famille. Je vous dis, Nibakin, l'histoire de ta maman et sa nièce qui ont sorti le même homme congolais, je vais raconter ça la semaine prochaine. C'est pas pour aujourd'hui. Je vais vous finir, je ne te calcule plus. Fais-moi 1000 directs. Vous voyez que depuis que vous n'avez pas remarqué que je n'ai pas fait le direct, Nibakin a commencé à inventer les choses. Oh, il est passé avec William. Oh, oui, Nibakin, moi avec toi, je ne te clash plus. C'est ta famille seulement. Je dis encore, les gens de Mélène, ceux qui veulent ou bien les détracteurs de Nibakin, vous partez en face de la GP de Mélène, vous demandez la maison de Liliane et Mémé. Mémé et Liliane, ce sont les tantes de Nibakin. Faites-moi seulement la vidéo. Une bonne vidéo, je vérifie ici en France, chez mes amis qui le connaissent, chez mon ami, si c'est vraiment ça. 0033 0033 6 25 88 10 17. J'envoie directement 20 000 à la personne. En face, la GP de Mélène. Vous demandez la maison de Mémé et Liliane. Ce sont les temps de Nibakin. Je tenais à vous souligner que, écrivez bravo Liliane, la tante de Nibakin. Nibakin, tu n'as pas honte. Tu vends le piment, ta maman était mourante. Et je tiens à souligner que Nibakin dit que moi, j'ai un pour les antirétroviraux. Et pourtant, Nibakin a une tante qui est paquet, qui était du Tchad, venue mourir du sida. Tout va sortir la semaine prochaine. Nibakin, je vais te laisser faire des directs. Je ne te calculerai plus. C'est ta famille. Par exemple, tu es sur les familles des gens. Toi, tu vois que tu es caché. C'est ta famille qui a de ton charme. Tu fais ça avec moi. Il va dire que tu me connais. Puis c'est toi qui as été croisé. Ça, c'est la bagarre, balata. Je te dis d'abord ça. Nibakin, tu as dit que les gens ont raté la vie. Toi, tu as fait quoi? Nibakin, ose venir se mettre sur les réseaux sociaux. Ah, tu sais, même s'il ment, même s'il ne ment pas. Hein? Laissez pour le mariage, je vous laisse ça pour le dessert, ouais. Restez là, c'est le... Je finis avec lui une fois, je ne vais plus jamais le calculer. Tu vas multiplier les directs. Mais moi, je t'ai exposé. Les Kwanenge vont vérifier. Les gens qui ont les familles, les amis Kwanenge vont vérifier que Maurice ne ment pas. Nibakin ose venir dire que il fume le joint de 100 000 francs par semaine. Plus des cigarettes et sa bière parce qu'il aime beaucoup la densité. Il n'est pas classe. C'est pas un gars qui est raffiné. Vous avez vu comment Elan dit sa vie? Elan dit, tu dis que le blanc avec qui tu vis. Tu dis que je n'ai pas de parfum. Elan dit, attends, peut-être vous avez les blancs là. Ton blanc n'était pas pris qu'on achète le labello. Regarde, ça c'est le labello. Ou bien le stick à l'air. À la Louis Vera, regarde bien. Hein? Elan dit, si je n'ai pas ça. Regarde, c'est même étudié moi. Si je n'ai pas ça, je prends celui qui est fait comme ça. Hein? Nibakin, tu es quel genre de Ndepso? C'est à cause de toi que les gens deviennent homophobes, les gens nous insultent. La mère de Lange est tombée malade. Je tenais à vous dire que la mère de Nibakin est séropositif. Séropositif, pardon. Elle avait envoyé alerte à Nibakin. Elle avait envoyé alerte à Nibakin. Nibakin n'a jamais réagi. Je vais vous raconter l'histoire de la maladie de sa maman. Quand Marie-Louise Mbaga publie la mère de Nibakin, parce que je vais vous montrer un peu le pantalon de la mère de Nibakin. Toi, tu as été ma mère, non? Ouh, tu as ma mère propriétaire. Je me tourne encore l'enfant qui est béni. Nibakin, tu veux tuer quel genre de Benguis? Nibakin, tu peux payer la paire de chaussures qu'elle porte ici. Elle l'arme bi. Voici la mère. Voici la maman de Landi. Mais je ne monte pas la tête. Je vais montrer que. Je vais montrer uniquement. Juste le pantalon. Maman, le pantalon de sa maman. Et là, c'est ta mère aussi. Hi! La
La maman Nivaki aura 50 ans là. Voici la mère de Nivaki. Appelle pas l'ambassade, ma mère, genre mes alcools, moi quoi. Voici la mère de Nivaki. C'est même quoi ça, attendez. Alors, je vais me connecter là. Parce que là, sur ma page. Elle a dit, c'est ta maman. Elle a le pantalon de Moriba Wapso. Parce que je ne sais pas comment il peut occuper, appeler à gâter pantalon aussi. Mon fils en Europe, mon fils tapine, mon fils avait un Luxembourg. Personnellement, ils sont Luxembourg. Un Luxembourg. Alors, je viens de vous montrer. Voilà, ma s'appelle Nivakin. Nivakin, je vais courir avec toi, pas à pas. Balata. Je vais publier ça. Je vous dis qu'on mange la maman de Nivakin qui est maman. Maman, elle s'appelle Maman Daniel. Elle dit, oui, oui. Il faut qu'on mange un peu ta mère. Parce que vraiment, tu nous as trop insultés. Hé, hey, Adama, on peut insulter quelqu'un comme ça. On peut dire qu'on a raté nos vies. Ouais, c'est le dernier, le dernier. Ouais. Regarde quelqu'un qui va chez Marie sur la Kamba en Suisse. On dit que, après, Marie sur la Kamba, elle dit que, tu payes combien? Il va dire, nous prends le sac trois fois pour payer 30 francs. Et la pauvreté. Et la pauvreté. La pauvreté, quand tu nous tiens haut, tu peux payer 30 francs, Nivakin. Voici la maman de Nivakin ici. Mais elle ne pas ta tête pour l'instant. Voici la maman de Nivakin ici. Ah, Nivakin, et le pantalon de ça. Et la pauvre. La pauvre. Attendez. Voici la maman de Nivakin. Nivakin! Ce n'est pas ta mère ici. Je vais la publier, ce n'est pas Daniel. Voilà la maman de Nivakin. Voilà la maman qui a couché cet avorton. Parce que je ne sais pas où classer Nivakin. Même les fesses d'une caille, les fesses d'une caille sont plus chéreuses. Ton cul ne vaut rien. On va te mettre au putain, tu n'es pas humain. Chez les batraciens, chez les invertébrés. Chez qui? On va te classer où il en dit. Tu dis que je m'appelle, c'est mon nom. Tu cites mon nom. Tu cites mon nom. Toi, tu t'appelles Ntolo Elandi Junior Antoine Junior. Ntolo Elandi Antoine Junior. Tu vois que pour politique, je suis comme toi, Nivakin. Je me tourne encore. Je suis comme toi. Ta vie est ratée. C'est toi le rateur. Merci, Pépétu. C'est IOZ même dit que quand personne t'envoie, merci. Donc, quand toi, tu cites mon nom là, depuis que les gens font les guerres sur Facebook là, est-ce que je suis entré dans les guerres de quelqu'un? Je me tourne devant toi, Elandi. Je me tourne devant toi. La mère de Nivakin était mourante. Nivakin, j'avais dit à Nivakin qu'un enfant n'a pas honte d'une maman. Monte à Marie-Louise Mbaga qui a. Je ne laisse pas. Monte à Marie-Louise Mbaga qui t'a publié que tu es. Que Mbaga qui a publié ta maman que tu peux. Là, tu, elle peut s'en sortir. Comment faire attention à 200 euros par semaine? Envoie 200 euros à ta maman. Que ta maman rentre au Cameroun, elle se soigne. Tu vas le pépé. Fais comme nous si. Moi si. Ma maman, c'est ma reine. Vous voyez le nombre de Western que je fais par mois. Mes frères vont à l'école depuis qu'ils sont petits. Ils prennent les diplômes dans les mêmes comme ça. Nivakin, ta maman a failli mourir. C'est la tante de Nivakin qu'on appelle Liliane qui a dû vendre. Hé, hey, vraiment Nivakin. Hé, hey, Adama Nivakin. C'est ta tante Liliane qui a vendu sa petite prêt-à-porter qu'elle avait à Mélène pour soigner ta mère. Hé, hey, Nivakin. Nivakin, tu n'as pas honte. Quand j'ai appris ça, j'ai fait les larmes aux yeux. Je vous annonce que Nivakin même est rejeté. Ses tantes ont dit que, pardon, c'est comme femme que Nivakin, ils ne sont pas dedans, mais moi, mes chères tantes, vous n'êtes pas mes tantes. Mes chères tantes, mes chères nièces, mes sœurs, je n'ai rien à foutre. Si Nivakin était Bamleke, on l'aurait appelé Tani. Déjà, pourquoi Nivakin le côté Tani? Parce que Nivakin a engrossé sa voisine et les jumeaux sont entrés. La fille que Nivakin, tu me vois là, faux profil par la fenêtre. La fille que tu avais engrossé, son nom commence par K-O-U. Je ne dis pas le vrai parce que je ne suis pas là pour publier, ils n'ont rien à voir. Nivakin part en Italie, pas en Italie, au Maroc en 2010. Il part comment? Il y a sa voisine, que j'ai appris par Mélène, qui avait le blanc. La voisine de Nivakin avait le blanc. Comme les Nivakin étaient très pauvres, parce que la majorité, Nivakin a arrêté l'école au cours élémentaire 2, à l'école du plateau. Nivakin, tu es le CP comme Adelina. Je me tourne encore devant toi. C'est que sur ton Cameroun, moi, Adeline, on pouvait faire le concours même pour entrer à la police. Toi, tu n'as pas eu le CP, Elandi. Elandi est quelqu'un qui a appris à parler, à écrire dans les aventures. Ben, au CE2, quelqu'un s'est écrit un peu. Il n'a pas les enfants, on a avorté les enfants là. Les enfants étaient avortés. La fille s'appelle Kou. Je ne continue plus. Les vagues, tu sais de quoi elle parle. Donc, c'est la cousine de la fille qui était enceinte.
apparemment, la fille ici en France, Nibakin a volé l'argent de la femme du blanc là avec une fille qu'on appelle Anne-Laure. C'est vrai que Nibakin et Anne-Laure vont en aventure. Ils vont au Maroc. Nibakin, c'est toi qui as payé le voyage là. Ce n'est pas la cousine de la femme que tu as enceintée. Que tu as volé l'argent, toi et Anne-Laure. Tu parles des gens alors que vous êtes une famille de souris. Mbombo Idou. Je t'appelle Mbombo Idou. Idou. Père la souris, c'est l'Idou. Mbombo Idou. Tu voles. Tu n'as pas dit aux gens que ta tante Liliane avait volé un client au safari. On a encerclé votre maison. Elle a fait arriver son gigolo. Fallait aller une famille alors que quand ils vont faire la puterie. Voilà donc une famille alors que quand ils vont faire la puterie, ils sont tous là de garder un gigolo. Nibakin, tu n'as pas honte que ta maman souffre, elle est souffrante, elle est en Côte d'Ivoire, elle tapine après ses 50 ans. Nibakin, ton argent, tu n'as pas honte. Fais rentrer ta mère au Cameroun, dis donc, comme moi si. Tu penses que ma princesse, je peux laisser qu'elle se prostitue. Je peux laisser que ma mère se prostitue. Nibakin, tu dis que moi, je prends 40 euros, mais toi, tu as pris 20 euros. Le gars t'a baisé 4 fois. Et toi, je sens la bouche. Si je manque, ma maison ne finisse pas. Nibaki, tu vois le mensonge, comment tu vis? Tout Paris. Allez, Belgique, cachant. Allez demander. Nibaki, tu as fait voyager un gars l'année dernière. Tu as rencontré un gars qu'on appelle Brice Delon. Bonjour, Brice Delon. Pardon, excuse-moi, c'est une parenthèse. Tu as même bien fait la larguer. Nibaki a fait voyager un gars qui est en Tunisie. Brice Delon. Nibaki, tu fais voyager les hommes que tu n'as jamais vus. L'année dernière, jusqu'à de Tamaracet. Je ne connais pas les Tamaracet. Je suis au courant de tout. Nibakin, tu as fait quitter le gars. Jusqu'à la Tunisie. Le gars t'a laissé. Quelqu'un que le blaboza. Adelina, les mini-minor. Allez, cherchez. Allez vous renseigner en Tunisie. Nibakin vient de faire voyager un gars. L'année dernière qu'on appelle. Il s'appelle Brice de Londres. Et c'est Nibakin qui me parle à moi. Nibakin, tu fais voyager les hommes. Hey, tes belles tantes là, tu peux les faire voyager Nibakin. Ta maman fait quoi là-bas? Tu disais que tu as épousé un riche, tu vas épouser un riche, non? Nibakin, tu es réfugié politique. Ça veut dire que tu n'es plus Camerounais. Ça veut dire que tu n'es pas Camerounais. Et ton mari a les appartements, toi dans l'immeuble, il a beaucoup d'argent. Mais dis à ton mari de faire la lettre d'invitation à ta maman. Et on va voir dans tes papiers que tu es réfugié, tu parles au Cameroun. À 95%, ta maman prend, elle a le visa parce que ton mari est censé être crédible. Nibakin! Tu as fait voyager plus de l'homme avec ta tante souffre. Nibakin, fais que ton mari qui est trop riche là, vu que tu es réfugié, tu peux aller au Cameroun. L'ambassade demande les trucs. Tu es jaloux de nous qui avons eu les visas. Nibakin, tu es jaloux de nous qui avons eu les visas. Maman, c'est ma faute si je suis venu légalement en France. C'est ma faute si moi je suis venu. Le malin avait dit bonjour, tes copines, elle va bien. Je l'ai dit dans le kit 3 fois. Et dans la bouche 1 fois. C'est comme ça que Nibakin, tu as fait voyager Brice de Londres. Et Nibakin lui-même a fait les profils. Il grave Brice de Londres. Après, Nibakin a dit, tu as parlé avant un gars sur Facebook. Voilà la vie de lundi. Le gars t'a refusé. Toi, tu peux me parler. Nibakin, tu as 2 ans et demi de relation. Toi, tu vis, toi, un gars t'a refusé au Maroc. Adolina, tous ceux qui s'occupent de la tuer, allez, ta chambre. Allez vérifier ce qu'elle vous dit. Nibakin, tu n'as pas honte. Au nom du chien. You know the shame, Nibakin. Tu gesticules avec qui? You know the shame. Tu vas challenger avec moi. Tu vas challenger avec moi. Parce que moi, si Dieu le veut, en février, moi, je fais ma dalle. You know the shame. You know the shame. D'abord, tu te dis, là, c'est une pourriture. Une saleté qui construit. Une saleté que ses frères, depuis qu'ils sont nés. Ils savent que je pars à Paris là pour travailler. Comme je l'ai dit à Nibakin, qu'il veut faire, je vais faire aide-soignant au tas. C'est parce que j'ai que ça t'a calculé que dès que je le sais dit que mon bindi bindi là, je fasse qui du m'en. Vous comprenez, non? Nibakin, you know the shame. You know the shame. Shame for you. Oh, shame, oh. Oh, shame, oh. Oh, shame, oh. Shame, shame. Shame for you, hein? Nibakin. Toi, tu clashes les gens. C'est-à-dire que je te dis avant-hier, je sors de Paris. Nibakin, regardez-moi une blanche. Une femme de blanc qui va dormir chez les gens. Nibakin, tu insultes Adelina, tu parles à Adelina à dormir. Comme le ndoc t'appelle tonton. Tu manges chez les gens, tu n'as pas honte. Tu dors chez les gens. Et je vais vous dire un tout problème que Nibakin est le genre de personne que. Attendez, ne me donnez pas les ordres. J'arrive de mariage, c'est à la fin. Nibakin, c'est le genre de personne que. Ils sont. Et tu l'aides
il t'insulte de même. Regardez-moi, j'ai hébergé Nivaki. Il a mangé un chez moi gratuit. Je dis que j'appelle tout le monde à témoin. Il m'a insulté. La seule personne qu'il a bagarré, c'était c'est Sidney, mais ça va nous trouver si bientôt. Il allait en Suisse, qu'elle est partie en Belgique. Rappelez-vous, en Belgique, il y avait deux filles qui étaient en couple, une coudée et une voile. Quand Nivaki est entré, il a fait son séparé. Il était du côté de la voile. Donc, c'est qui joue le rôle de la femme. Il a caché qu'il était comme l'homme. Comme qu'il était comme l'homme là. Quand elle est partie, il a encore fini par clasher pour l'envoyer. Si vous attendez à faire de Liège, Nivakin chie la diarrhée de son sida là partout. Nivakin, moi je peux être sale, mais pas ma famille. Ok, l'examen on est comme ça. Contrairement à toi, toi tu es misérable. C'est que si je meurs même aujourd'hui, ma mère ne peut jamais mourir de famine. Ses petits enfants sont en bain, sa fille en bain, ses sœurs sont en bain, ses cousines, ses nièces sont en bain. Toi, ta famille a qui? Est-ce que maman bébé qui est ta grand-mère parle avec ta maman? Avec ta grand-mère? Non. Voilà la vie des Landi. Quelqu'un qui parle fort, qui a volé depuis. Hé, hey, Nibaki! Quand j'appelle que tu t'es maltraité, quelqu'un m'a te fauté depuis que tu t'es petit, tu t'attachais. Hé, hey, papa, ils sont... la tombe qui est dans chez Nibaki. C'est papa l'américain. Nibaki, tu ne vas plus jamais. Et que tu vas seulement. Je dis que tu vas me faire 1000 directs. La semaine prochaine, à 17h, je publie ta maman encore. C'est ta maman que je vais ramasser. C'est ça que je ne te gère plus. Je finis avec toi aujourd'hui. Et je laisse le grand Nkwanengue aller chercher. Je laisse aller chercher. Et les gens qui ont les familles, les gens à Paris, allez chercher ce que vous dites là. Toi, tu parles fort. Nibaki, non, on parle non, du mariage. Écrivez le mariage. On parle, non, je parle du mariage. Dites-lui. Je parle du mariage. Vous voulez que je parle du mariage? Non, ce sont piment qui coûte 40 euros. Je parle du mariage. Écrivez oui. Je parle du mariage. Nibaki ne veut pas. Oh, 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 les femmes de blanc. Oh. Nibaki, la femme de blanc qui dort chez les gens. Oh. Il part à Paris, il dort chez Sydney, il part là-bas, il dort partout. C'est pas qu'il était chez un casse-chico qu'il a menti, qu'un casse-chico était ta tante. Alors qu'un casse-chico était la copine de sa maman qui est Daniel. Et c'est pas qu'il nous a menti. Nibaki, tu n'as pas dit que tu es parti à mariage chez un blanc à Dijon, que tu es chassé à minuit. Sors de Wanko. Pourquoi tu étais sans papier si tu n'étais pas marié avec un blanc? Voilà les gars de blanc, le client. Je parle du mariage. Oui, oui. Je parle. Oh, oui, je parle. Ok. Je vais vous montrer Nivakin. Alors, je vais montrer quand Nivakin m'a invité à son mariage. Nivatrou. Nivatrou du cul. Elle est où? Parce que quand toi tu parles des gens, on voit une souris comme ça. Mbombo Idou. Nivakin. Il a même deux numéros. Elle est même où, la idiote là-même? Non, c'est pas ici qu'il m'a invité. Il m'avait passé depuis que je t'appelle, tu ne réponds pas. Il l'ange, juste comme si je sois avec toi. Et là, il ose dire qu'il est gragué. Et là, il peut sortir avec une personne comme toi. Tu es malade, tu es trop pauvre. Pourquoi tu veux me ruiner? C'est toi qui es pour moi, je suis un futur grand locataire. Il m'a dit qu'il m'a invité même quand son mariage m'a mis. Attendez, où je l'ai à supprimer ou je ne sais pas. Comme moi, ça, mes collègues là. Je tape un peu Nivakin. Nivakin. Quand je tape Nivakin ici. Bref, je l'ai supprimé. Nivakin, bref, m'avait invité en juin, juillet par là, qu'il s'est marié le 26 novembre. La date de la gloire glorieuse. Je lui dis, oh, Yembo, je l'appelle. Oh, Yembo, Yembo, Yembo. Oh, Nivakin, oh, hey, vraiment, oh, hey, félicitations, je suis content pour mon Yamseur. C'est comme ça que je ne laisse pas son mariage. Je parle. Parce qu'il insulte, il manque sur moi que je me suis marié. Voilà, je vous dis que Nivakin et moi, on dansait mes amis avant-hier. Nivakin vient de monter les factures de mes appartements. Je sors de Paris. Ma famille habite là-bas partout, mes amis. J'ai pris mon appartement 3 jours, monter les factures. Le même jeudi que j'ai envoyé 250 000 et qu'il était au restaurant. J'ai payé 195 plus. Vigueux et que pour dormir chez papa, je n'aime pas déranger. Nivakin me parle de son mari. Je dis ok. Donc maintenant, en ce temps, on a essayé de causer. Il m'appelle tout le temps. Je parle à Essiné. On parle que lui, il épargne. L'épargne, ceci. Nivakin avait sorti 50 billets. Donc, en gros, Nivakin voulait faire la carte Nivakin voulait faire la carte de mariage. C'était un peu comme mon anniversaire que j'avais fait là. Dans une salle pour 50 personnes avec plus tout ceci. Voilà. Nivakin veut vendre le pain à 100 euros. Je dis que mais 100 euros, c'est trop Nivakin. Étant donné que, vraiment, riche blanc qui ne loge pas les invités. Comme moi, j'ai logé tous mes invités.
C'est quoi que Niva Kingdom? Niva Kingdom est. J'ai dit à Niva Kingdom 100 euros, c'est trop pour le pain. Niva Kingdom m'a dit qu'il va me faire 80 euros. J'ai dit à Niva Kingdom 80 euros parce que la couture coûte trop cher. 100 euros, c'est trop cher. Parce qu'il y a la couture et il faut savoir que les gens vont payer les Airbnb et les gens vont dépenser tout, 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 tout. Et les cadeaux. C'est quoi que. Il commence à vouloir parler parce que Niva Kingdom est très fort à distance. Niva Kingdom, tu peux parler en face. Quand on va se croiser, toi et moi, donne la sous. Je ne te donne aucun rendez-vous. Ne gesticule pas, je vais te croiser. Il a dit. Je vais te croiser. C'est comme ça donc que j'appelle Sydney. Je dis à Sydney que Sydney quand arrive à convaincre Nivakin qu'il fasse le pas à 50 euros. Parce que 80 euros là, les gens vont désister. Nivakin dit que si personne n'a son pas, il ne va pas les faire entrer. C'est comme ça que Lolo Fodja m'appelle et me dit que ouais, Waris, non, 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 viens, va se tenir, Nivakin se marie. Je dis ok. Quelques temps plus tard, je m'avais ici à la fête de camp où je portais l'ensemble avec Flo. Flo me fait Hora. Je dis oui, Hora. Elle me dit que je compte stop qu'on aille soutenir Nivakin. Amen du monde. Au nom de Dieu, c'est ce que j'ai fait. J'ai invité 30 personnes. Je vous dis qu'en un espace de une heure, 19 personnes me disent téléphone. Ça va pas, non? Nivakin est rejeté par toute la communauté Kwanegi et même les gens normaux. C'est que je vous mens. C'est qui vous dit que ma mère amie, c'est ma grand-mère. Il manque ces personnes, le rejette partout. Son mauvais son qu'il fait partout là. 19 personnes ont refusé Nivakin. Il reste 11 personnes. Donc je suis dans les 11 personnes. Hein. J'ai été ma poule depuis. Donc c'est comme ça que. Il reste 11 personnes. Donc il y a moi. Il y a ma personne. J'appelle Rikou, un ami à nous, Rikou, un entier. Je propose à mon ami là que je vais payer le billet. Il y a Cacharel et sa copine, voilà 5. Les autres 6 personnes juste qui vont voir. Mais les 19 personnes avaient refusé dès le début. Jusqu'à dire que pardon, ça va pas, non. Voilà, la jeune personne qui va arriver chez lui va commencer. On va commencer à nous insulter. Pardon, celui qui insulte les culs des femmes. J'ai invité Belgique. J'ai invité la Belgique. J'ai invité la Belgique. J'ai invité la France. J'ai invité partout. Tout le monde a refusé. Il dit donc, bon, on commence à voir que l'anniversaire est en train d'arriver. Nivakin, la vérité, c'est qu'elle est Mekota. Je m'en vante aussi. Pardon, dis-moi un peu. Je vomis, mon vanne n'est pas le frigo. Nivakin comptait sur l'argent de pain pour faire le mariage. Vous comprenez? Je dis que Nivakin comptait sur l'argent du pain pour faire le mariage. La dette était assortie. Vous savez de vous à moi que quand on dépose les dossiers à la. Vous savez de vous à moi que quand on dépose les dossiers à la mairie, quand, tant que le dossier n'est pas complet, on ne sort pas la date. Une fois qu'on a donné la date, c'est que tout était complet. Donc la fête du mariage s'est sortie depuis le mois de juillet. C'est comme ça donc que. En tout temps, on cause, avant qu'il vienne quoi ça faire sa mère, comme on l'a sur moi là. Je constate que Nivakin dit qu'il va prendre Doudou Ngamba. Bonjour Bridget, on dit comme un star. Nivakin dit qu'il va prendre Doudou Ngamba comme cuisinière. S'il ne dit à Nivakin que parce que je balance. Bon, ben, n'est pas le frigo. Nivakin, un pauvre lot comme ton blanc. Luxe s'empauvra. Hein, ta cuisine qui est moche comme ton nombril qui semble au pangolin. Parce que la tête de Nivakin et son nombril se ressemble. On dit le pangolin. Et que ta. Donc c'est comme ça que Nivakin. Sidney dit à Nivakin que ah, moi je n'ai jamais mangé un monsieur Doudou Ngamba. Mais je te propose de prendre mon Cambernard. Je dis à Nivakin que même si la vierge fait de mon Cambernard, moi on ne se parle pas. Et j'ai tout dit ça. La seule chose que j'aime chez lui, c'est qu'il ne peut pas bien. Si c'est mon Cambernard, je suis moi-même témoin que mon Cambernard cuisine bien. Les Luxembourgeois de ça. C'est comme ça donc que. On est là, on veut que causer. Maintenant, pour les pains ici, si Nina devait partir avec Nivakin à Château Rouge. Parce que Nivakin m'avait invité, moi, que je parte à Château à Paris. Comme, il part chez mon ami Sidney. La maison où Sidney habite là, c'est moi qui avais dit Sidney avant la maison là. Nivakin, j'aurais pu taper un scandale et c'est même pas Sidney que je ne veux pas te voir chez lui. Mais n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas comme toi. C'est comme ça que Sidney me dit qu'ils vont partir. Il me dit qu'il veut partir à Paris. Il veut me voir Nivakin. C'est là que j'ai tourné Nivakin. Parce que moi, Nivakin, je ne me déplace pas.
Tu ne sais pas me déplacer. Tu es bête, tu es petit. Je vais te... Tu es tellement bête. Comme tu as vu ce qu'il fait là, tu as souvent voir quand les guerres se sont serrées à la balade. Il dit que le bonheur peut contourner ma maison. C'est ta maison que le bonheur. Avec Nivakin, remarquez bien tout ce que Nivakin dit, c'est lui-même. Quand tu as raté ta vie, c'est ta mère qui a raté la vie. Vu qu'elle fait la bonne, elle a 49 ans, mais 250 ans. Elle a fait, tu vois, je mens. Pour le lave et la. Nivakin, écoute bien le titre. En janvier, la tortue avait les noms. Je suis au courant. Ça va sortir en janvier. Tu ne me connais pas. Je fais le direct la semaine prochaine. Je coupe si elle fait de Noël. C'est ta mère serait la bûche de Noël. Après, je tombe ta grand-mère, ton frère, tout. Vous, je ne te calcule plus. Ce n'est que ta maison. Comme, même si tu veux dire, je t'en fous. Oh. Mais c'est ta famille là-bas qui vont sentir la douleur que les familles des autres ont. Buenaza. Toi, tu es quelqu'un et puis tu parles à quelqu'un. Quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Regarde-moi quelqu'un comme ça là. C'est comme ça donc que Nivakin doit partir donc à Paris pour l'acheter les habits et le tissu à Château Rouge. J'ai dit à Siné que, mais Siné, tu savais que Château Rouge, c'est trop cher un peu. Tu oublies que tu avais fait un anniversaire en 2014, le thème était wax. Il m'a dit oui, mais au RER de Aubervilliers, là-bas on vend les pagnes en gros. Allez là-bas prendre les pagnes. Ils sont partis prendre le pagne. 10 pagnes d'abord. 10 pagnes! Ils ont pris 10 pains. Les invités de Nivakin, c'est les faux profils. Méfiez-vous, Nivakin va vous insulter. Puis c'est nous qui l'avons tendu la main. Nivakin était hébergé. Tu as gagné le waka chez moi, gratuit. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu vas challenger avec moi ce que tu as fait. Les mamans. Nivakin a fait pleurer une maman il n'y a pas longtemps. Depuis ses 60 ans, à Gare de l'Est. Tu peux la dire, il va te publier. La main partie se met à genoux. William, arrête le. Tu fais pleurer les mamans des gens. Ta pauvre sale pute de mère qui est là-bas en Côte d'Ivoire. Ta sale chose qu'on appelle. Comment ça s'appelle la connerie là qu'on appelle. Comment ça s'appelle la sale chaîne de mère là ouais. Daniel. Quelle histoire triste pour votre famille. Aucune personne n'est mariée. Tu vois le blanc. Tu veux venir bluffer les gens. Toi qui, même le cul d'une caille a un peu de chair. Toi, ton cul te vaut quoi? Les os. On te refuse qu'en Tunisie et tu parles faux aux gens. Tu parles faux. Hé, hey, mon mari, espèce de pauvre lot. Un pauvre qui vient parler des allocations, tu n'as pas un pauvre lot. Anustocrate, on t'a opéré l'anus. Regarde ma paix bombée. Oh, Bam. Nivakin, ton cul sert à quoi? Et lance 70 fois. C'est comme ça que votre Nivakin, alias Ntolo Elandi Antoine Junior. Écoutez-moi le nom de quelqu'un. Ntolo Elandi Antoine Junior. Moi, je sais que pour moi, les juniors, ce sont les minets, ce sont les bébés. Parce que quand tu es un junior, je sais les anges. Mais on devait t'appeler Ntolo Elandi Antoine Senior. Pas les seniors sont les vieillards. Parce que Junior ne te mérite pas. Tu m'études. Nivakin fait comme une vieille femme. Il dit que quand on était même en after, il fait ça. Ah, mais lance les pics. Espèce de pauvre. Enfant qui n'a pas eu le CP, tu n'as pas honte. Vilain Congo, enfant qui est émigré. Enfant qui est émigré par le vol de l'argent d'une voisine. Tu n'as pas honte, Elandi. Tu parles le cul des mères. Le cul t'a mal produit quoi? Rien. Le cul t'a tant produit quoi? Mais. Je te félicitations à Liliane. Liliane, je vais pas te publier. Je vais pas te publier parce que tu as quand même sauvé une vie. Tu as sauvé la vie de la maman de Nivakin. Je vais appeler Beyoncé qui te donne mon numéro. Je vais t'envoyer 30 000. Quand tu boives la bière, parce que tu as au moins sauvé la maman de cet avorton. L'avorton que vous aurez dû tuer. Il vient emmerder les gens que lui, vous les a. Va faire tes. Il dit même que. Regardez quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre. Oui, tu veux faire. Elle m'a détesté. Je suis comme toi, elle est triple. Quand moi, ça te pense à construire. Tu vois, même mon petit frère, là, maman, il dit maman, je vais aider à construire pour Audrey, parce que c'est moi. Je vais aider à construire pour Audrey, parce que le samedi et le dimanche, je vais aider le maçon. La semaine, il va à l'école. École, collège, tout privé. Il dit que l'enfant, là, prend les diplômes sur mes mains. Le dernier prend les diplômes sur mes mains. Ils sont tous au collège et privé. Nivakin, toi, tu fais quoi? Tu viens de dire, je paye le taux école à mon. Tu payes le taux école, toi tu as le taux école. On peut dire que même je ne fais pas le taux école, mais on va reconstruire. Mais tout n'importe devant toi, Nivakin. Et mais tout devant toi. Nivakin, tu veux séduire qui?
Regardez-moi quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué que Nibakil est tellement complexé que tout le monde a tout dragué. Nibakil est venu dire ici sur Facebook comment c'est Mini Miller qui porte le faux. Il ne connaît pas entrer dans la galerie Lafayette. Nibakil, tu es entré dans quelle galerie Lafayette, on a vu. Nibakil, tu es entré dans quelle galerie Lafayette. Regardez-moi ça, ça c'est mon petit parfum de main. C'est Yves Rocher, idiote. Yves Rocher. C'est Yves Rocher. Nibakil, toi tu es entré dans quelle galerie Lafayette. Ce n'est pas toi qui, quand tu t'es dessiné que en 2017, il y a un gars qui pour le sac Gucci, pour souvent ses petits voyages, ses petits déplacements. Tu as essayé les balançagas devant moi. Il y a Jérémy. Bon, demande à Jérémy, demande à Farid, demande à Sidney même. Tu as essayé les balançagas à 80 euros et la ceinture Gucci à 20 euros. Hey. C'était en 2017, non, Nibakil, à la rue Asso. Et Mini Mino était avec nous. Donc, pour vous faire comprendre que ce que Nibakin dit, c'est ce que lui-même fait. Ah, Nibakin, tu dis que le gars de Nkas la chicotte t'avait dragué, que tu sortais avec le gars de Nkas la chicotte, mais toi tu es un idiot. Je vous raconte comment on a chassé Nibakin. Nibakin avait une copine à lui qui avait la voiture. Il est toujours chez Sydney. Parce que c'est moi qui présente mon ami, mon frère à Nibakin. Mais il a une histoire d'amitié. C'est pas comme moi et mon ami, parce que Nibakin qui avait ton nom de Sydney sur Facebook. Donc, c'est obligé de mettre ce nom de Sydney quand il y a les preuves. Sidney, ils sont partis chez Nkas. Nibakin, non, non, tu es comme Cannes. C'est quoi? C'est Cannes, non, Abel les Cannes. On t'a maudit que tu vas courir dans tout le monde entier jusqu'à ce que le monde va finir. Et toi, tu pars de maison en maison, tu n'as pas honte. Un nomade comme toi. Un nomade comme toi. Nibakin est parti chez Nkas. Il sait que le mari de Nkas, c'est lui, il a les problèmes. Il voulait faire la discorde entre Nkas, la chicotte et lui. Les deux de Nkas, la chicotte qui parlait, qui mettait les hauts palais, je ne vais pas parler, ça, elle n'a rien fait. Quand ils sont arrivés, Nibakin fait ça. Il va dire que le Nord peut tuer quelqu'un de Mélène. Regardez les gens de Mélène. Les gens de Mélène qui n'ont pas mangé les 3 repas. Moi, j'ai mangé même jusqu'à 12 repas. Il va. Le plan est que c'est là, dit toi, dehors. Il a chassé Nibakin. Et là, on a laissé le Sidney. Mais là, oh, quand vous partez à 3, vous partez, vous rentrez à 3. C'est Nibakin qu'on a chassé. C'est le blanc qui a chassé. Toi, tu as dit que les hommes te veulent toujours. Tu as dit que c'est à cause de toi que moi, j'ai divorcé. Tu étais en France, espèce de mytho. Tu es venu nous dire c'est là que le mari de Mini Minor t'avait dit. Hey, vraiment, Nibakin. Hey, Nibakin. Tu as vu la cuisine de ton mari? Tu as vu la. Elle a dit. Oh, 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 oh. Elle a dit zout. Je vous fais une parenthèse que Nibakin me vilipende depuis que j'avais. En fait, il a ma macabo parce que quand Lolo Fojama avait grondé, elle a fait de la musique, il était à côté. Parce qu'il fait. Parce que ta mère dit que. Parce qu'elle m'a dit que. Eh, toi, tu n'as rien. Nibakin, tu veux te raconter ma vie? Tu cherches ton terrain. Et l'angle 70 fois. Tu sais, c'est ton terrain. Tu es propriétaire ou tu es là. Nibakin, tout le monde, tu les clashes. Tu clashes matin, midi, soir. Une personne qui est épanouie, je suis épanoui. Je vous assure, je suis épanoui. Je ne vais pas me lever le matin pour venir clasher. Je vais me clasher, compression le long frontière. Les mamans flottent. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Flo me voit, compression me voit, telle me voit, je me mets de vos côtés. Toi, tu as quel âge pour aller dans les problèmes des mamans là? Elle en dit, tu as quel âge? Toi seul, ta bouche, on dirait les caca. Tu peux me clasher, papa. Toi, tu dis que je suis une saleté. Toi, tu es propre. Voleur de caleçon porté de mon ami malien. Tout Paris connaît ça. Tu as volé l'ensemble rouge. Mais avec que tu as volé. Nibakin, tu as toujours demandé toute ta vie. Ben, tu as mis l'étoile à moi. Je vais tout écraser. Tu es un petit Nibakin. Je me suis fait mal à cause de Nibakin. Nibakin, même si je suis rentré à Paris. Je suis parti visiter la maison à Madonio. Il doit travailler avec mon dernier binge là qui m'a mis. Même ça me prend 2 ans, c'est tout ce qu'il veut. Non, la cuisine avec Joël aime mieux que chez Nibakin. Hé, hey, mof, non. C'est comme ça que je vous raconte comment Nibakin me persécute. Vous allez voir que moi, j'ai tellement laissé. Je vous dis tout que Kuntakin te vient se réincarner au Cameroun. Moi, Kuntakin, c'est des films que je vois souvent, ça fait pitié, triste, avec les cheveux, les grosses lèvres. Comme un bon nègre, si vous voyez bien Nibakin, c'est mon nègre. Les lèvres sont grosses, les cheveux, mais je ne sais pas, Nibakin, fais quelque chose. Regarde mon visage, Nibakin. Tu as vu les boutons? Non, regardez bien. Je n'ai même pas mis le filtre. Là, c'est un téléphone Choronko. C'est celui-ci qui est le bon téléphone, mais comme il y a les preuves ici, on ne pourrait pas faire le direct là. Nibakin, c'est toi qui parles aux gens. Ha! C'est toi qui parles. Un voleur de caleçon. On t'a opéré l'anus. Je vous assure que mes quotas, depuis que je suis en Europe,
C'est comme vos enfants et vous-même. On peut comprendre qu'il y a les maladies ordinaires, tu peux être hospitalisé, peut-être parce que tu bois, peut-être une fois de cirrhose, ou bien l'appendicite, ou ceci. Nibakine, t'as mal la maladie du passeport sexuel. Toi-même, tu as la maladie du passeport sexuel. Ta tante est morte. Ça, je vais arrêter ça la semaine prochaine. T'es magnon que tu fais là, tu vas arrêter ça avec moi. Tu vas m'insulter comme tu veux, mais moi, j'ai fini avec toi là. Je te dépose. Maintenant, je ne vais pas maintenant tomber que sur ta famille. Je vais te montrer que tu n'es pas le seul à insulter les mamans des gens. Hein? Toi, tu as quel âge pour insulter tous les mamans? Pourtant, ta mère souffre et l'andit. Tu fais voyager un gars étonne. Et pourtant, ta mère souffre et l'andit. Hey, je me tourne encore. Nibakine, je te nague. Je te méprise. Tu vas aller boire mon alcool à l'ambassade. Je te méprise. Hein? La bouche, elle respire. Ma bouche pue, mais c'est la bouche là que j'ai commis. Ça te conçue. Ma mère dort chez elle. Wari fait la yon, ça c'est la même, mais c'est l'odeur alors qui fait que ça te fait tout, que je suis même en couple, que ma personne m'adore. N'est pas que tu dois te dire que là, tu te claques, qui te traque. Qui te regarde? Personne. Qui te regarde? Personne. Si tu avais le succès, pourquoi est-ce que quand t'as rapatrié de France, parce que tu as la lettre d'expulsion, pourquoi tu t'es pas marié? On t'a chassé à minuit. L'affaire de Dijon que vous racontez, il t'a été parlé au téléphone. En train de souhaiter Marie-Louise Mbaga. Il s'est dans les groupes, parce que Nibakine est toujours dans les groupes du Congo, ça. Oui, Marie-Louise Mbaga, une sorcière, une salope. Le blanc a mis Nibakine, je vous jure comme ça, regardez. Demandez-lui qui vous dit ça. Le blanc a mis Nibakine dehors à Dijon à minuit. Nibakine, je mens. Donc, si tu étais si beau que ça, tu penses que moi, si on m'enlève les papiers aujourd'hui, je me donne même pas un an, je me remarie. Ok? Tu es très beau comme tu dis. Et j'avais remarqué que quand Nibakine et moi on partait en boîte, je vois personne draguer Nibakine. Dès qu'on rentre, dès que je suis pas là, je suis pas en boîte. Oh, on me tirait parce qu'on m'embrassait Nibakine. Tu oublies? Tu oublies que toi, même avec ton agent, les gens de Paris ne te voulaient pas. Donc je ne mens pas. Jérémy, je mens. Yann, le frère Naomi, je mens. Les NS, je mens. Vous avez dragué un jour Nibakine. Adieu, roi. Le seul gars qui a piné avec Nibakine, c'est un gars gabonais. C'est le jour-là qu'il est parti se chiner à Confiance et Tonorine. Parce que Nibakine, j'ai l'impression que quand il a fait quelqu'un, c'est pour aller faire tout le waka. Tu n'as pas honte. Espèce de nomade. Dans le mariage-là de Nibakine, c'est parce que Nibakine avait, comme le père ne s'est pas vendu, Et je vous explique que Nibakine devait se marier à la mairie du Luxembourg. Écoutez-moi les. Écoutez le plan d'un couple de riches. Quand ton mari est riche, et l'âme dit non. Non, mais tu es fort. Et l'âme se marie au Luxembourg où son mari réside. Ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. On est d'accord. Maintenant, et l'âme dit devait aller prendre une petite salle dans un village de la Moselle. Vous savez que la France frontalière avec le Luxembourg, c'est la Moselle de 57. Si c'est toi, Davila, c'est toi, Nibakine. C'est toi, si tu t'appelais Davila, même à l'époque, quand tu fais Waka. C'est toi, Davila. C'est comme ça que Nibakine, il devait se marier, qu'on devait signer l'acte. Au Luxembourg, mais la soirée devait être dans un petit village de la Moselle, parce que Nibakine comptait calculer. Et le pire, c'est que quand on se rend compte que la dette approche, Nibakine a trop de pression, il n'y a pas l'argent. Je prends le téléphone, je dis à Siné que, ouais, Siné. C'est ce qu'on va faire. Moi, je sais cuisiner. Mon camp sait cuisiner. Je vais inviter notre grand frère du Mans qui vient nous aider aussi à cuisiner parce qu'il est un grand cuisinier. Et tout, Tom Sinan va cuisiner nous tous. Même Flo, nous tous, comme ça, Nibakine. On enlève la charge de payer mon camp. Hein? Sinan me dit que c'est une bonne idée, Waris. Appelle-le, Nibakine, alors propose-lui. J'appelle Elandi. J'ai dit, mais Elandi, parce que tu as prononcé mon nom. J'ai dit, Elandi, laisse pour la fête de payer le traiteur mon camp. Nous, maman va préparer. Achète-moi la nourriture. Et j'avais dit à mes invités que je voulais qu'on soit 10. Comme ça, si on est au moins 10, on va au moins mettre dans le 50 euros pour donner Elandi. Quand j'appelle Nibakine pour lui proposer, il dit que oui, même l'autre du Mans. Hé, la vieille là, elle parle de moi. Et quand elle fait les enquêtes, le gars ne connaît même pas Nibakine. Ils ne se sont jamais dit bonjour. Et là, on dit, pourquoi tu as une haine viscérale comme ça? Tu vois pas quand tu te défends? Et là, à cause de faire le Congo, ça, tu es trop comme une vieille femme. Tu ne devais pas t'appeler junior, tu devais t'appeler senior.
Viens un peu, tombez un peu, il en dit. Profite un peu. Gay vient du côté jovial. La gaieté. Toi, tu es tellement triste que, à cause de toi-même, gay devient encore homophobe même. Voilà quelqu'un qui parle fort sur les réseaux sociaux. Il en dit. C'est toi qui parles, papa. Hé, hé, je me tourne la corde devant toi. Je te nargue. Attends, mets le rouge à lèvres. Elle a dit. Elle a dit. Le quoi, c'est pour Eva, son maman. Je mets le rouge à lèvres pour toi, imbécile. Elle est grosse lèvres. Il faut voir, il aime le rose. On dirait le poisson de délit. Elle a dit, tu vas clasher, moi, il verse la vérité. Les Camerounais vont entrer dans le Japon, dans ton Japon. On va fouiller ce qu'elle dit, c'est la vérité. Je ne vais plus jamais te prononcer, Landy. C'est ta famille que je vais publier. Tu t'attaques à qui? Et on sait même envoyer les menaces. Et Landy, tu peux me menacer. Elle a dit. Attends, je vais te la sauce, ça, mon chien. Elle a dit. Ouh, elle a dit, oh. Elle a dit, zout. Eh, aïe, l'idiot me menace. Tu peux me menacer? Tu vas voir qui les menace. Je suis le genre de personne là. Mamie, pas là-bas. Toi, tu me connais. Tu peux me menacer, il a dit. Tes saletés que tu fais, tu n'as pas honte de ta vie là. Tu peux pas chez un dormir. T'as la dignité. Il a dit zouté, on zouté, on zouté. Il a dit côté bon, on côté bon, on côté bon. Et l'andi zouté, on zouté, on zouté. Et l'andi koti bon, koti bon, koti bon. Ton cul ne vaut rien. Et l'andi zouté, on zouté, on zouté. Et l'andi koti bon, koti bon, koti bon. Regarde-moi quelqu'un qui parle à quelqu'un. Imagine, je te donne une chanson gratuite, il faut même pas me remercier. Prends. Mais ton cul ne vaut rien. Koti bon. Et tu parles à quelqu'un. C'est toi. Et l'andi zouté, oh zouté, oh zouté. Et l'andi koti bon, koti bon, koti bon. C'est le remise des petits pays. Ne me remercie pas. Voilà celui qui parle à quelqu'un. Voilà celui qui insulte les mamans qu'elles ont raté la vie. Ces mamans forment ma femme au dos des camions, mais elles ont fait venir leurs enfants comme ça. Si ta maman avait reçu l'aventure dans la bordellerie, vous savez que ta maman vous avait fait venir. C'est que tu as eu le visa comme nous tous, non? Si tu avais les tantes ou les Liliane l'avaient réussi, nous disais que tu étais peut-être venu. Donc, si tu es, c'est ma faute, tu t'es parti peut-être voler peut-être l'argent de ta voisine pour venir, pour partir par la mort. Il a dit. Je vous dis encore que 00 33 6 25 88 10 17. 00 33 6 25 88 10 17. N'y va que tu es surtout ma maman est propriétaire. Elle a dit zouté, oh zouté, oh zouté. Elle a dit koti bon, koti bon, koti bon. Même le cul d'un moineau dépasse ton cul, elle a dit. Et c'est toi qui me menaces. Tu envoies qui les nouvelles. Tu envoies les nouvelles, tu dors sur mon camarade et qu'on a eu le CP, elle a dit. Est-ce que tu as l'école du plateau, école des pauvres? Voilà celui qui parle aux gens. Mais comment je te méprise? Elle a dit. Et lundi, tu vas challenger. Je dis à tous les teams. Parce que je vous dis un truc. Moi, je vous dis quelque chose. Arrêtez soit l'hypocrisie. Quand lundi insulte les abeilles, il insulte votre fleur de lit. J'ai pas l'exemple. Si je vais faire le direct, j'insulte TKC, j'insulte Maman Pépé. Parce que ça team à elle. Si je fais un direct pour insulter les Lolomania, j'insulte le Lomfondia. Les Lolomania me disent le Lomfondia. Les TKC me disent Maman Pépé. Les abeilles me disent flore. Donc si j'insulte la team de quelqu'un, c'est que je suis en train d'insulter la personne indirectement. C'est parce que je n'ai pas envie de. Par rapport à flore et certaines choses que. Quand tu mettais ça dans les cours, parlais, quand tu parlais flore par rapport à certaines choses. Est-ce que je parlais de tout ça? J'ai pas besoin de tout ça. Donc, je laisse ça gratuit. Regardez-moi un ivrogne comme ça. Le malien a tout mélangé 4 fois. Elle a dit, si on dit la vérité, mais, franchement. Elle a dit, moi, elle fait à 40 euros, donc jusqu'à là, elle te dépasse toujours.
Parce que si on compte que tu as donné 2 baies de 10 euros, ben je vais toujours répéter ça même parce qu'on va mourir. 2 baies de 10 euros. Et là, c'est vrai que tu as fait le coup à 5 euros. Toi, tu fais, ça faut que tu viens voir le mini-fem. C'est un mini-fem qu'on fait à 500. Mais comme tu as un bec, tu fais à 5 euros le coup. Et Elandi a pu s'en préserver. Tu sais que tu t'es malade. Tu n'as même pas honte, Elandi. Je vous dis qu'allez vérifier tout ce que ça te vous dit là. Vingt divisé par 4, c'est pas 5 euros. Dans ce cas-là, on te dépasse. Adeline Nata a pris à voler les caleçons chez H&M, chez les riches. Le même Adeline Nata, t'as au moins montré que c'était les 9. Toi, tu as volé chez mon ami. Je vous dis que allez vérifier tout ce que ça te vous dit là. Vérifiez. Quand Ivakine dit aux gens que oui, on drague mon mari, les gens. Regardez-moi les enfants de mauvaises familles comme ça là. Parce que si vous dites que c'est qui fait la sette, je vais vous raconter l'histoire de ses tantes. Attends. Oui, mamie. Je parle pas à côté, oui. Allô? Allô? Tu m'appelles, mais tu parles pas pourquoi? Non, parle un peu quand même. Elle dit quand même un petit mot. Voilà celui que Elan dit manque sa mère vend les atchomo. Et tout ce que ça te dit là, je mens. Là. Pour le moment, dimanche, tu fais ce que tu as appris. Non, je finis avec Landy une bonne fois, tu vois l'ambiance. Je finis avec lui parce que je ne peux jamais prononcer Landy. La semaine prochaine, c'est sa maman. Voilà, elle sait pas qu'on la connaît. Donne pas, est-ce que je mens? Voilà quelqu'un qui t'a été témoigné. Et Landy volait le caleçon. M'attaquer des mythos, menteurs et tout. Bah, qui s'attaque à moi, je m'en fous. Moi, je suis pas dans ces réseaux. Moi, si jamais je vais m'attaquer à lui, on n'a pas la même éducation. J'ai pas grandi dans ces milieux grégaires et tout, tout le genre et tout. Mais j'assume. Voilà. J'assume. Mais pour le moment, laisse tomber. Laisse, c'est bon, t'as fait un bon direct, c'est bon. D'accord, là, ok. Bon, je vais donc couper alors. Merci bien. Ok, tu as raison, merci. Ok. Oui, bisous. Je finis avec lui, je ne vais plus jamais parler avec lui. Je vais publier sa mère la semaine prochaine. C'est tout. On fait quoi, bisous. Qui continue à inventer des choses sur les vies des gens qu'il ne connaît même pas et qui insulte les mamans des gens, c'est bien pour lui. Oui, parle, non, parle, te laisse lui, parle. On t'écoute. Tu raccroches comme ça, tu arrêtes, tu coupes le direct. Non, parle, oui, parle, on t'écoute, parle. Je dis, tonton, j'ai rien à dire. Déjà, Elandi, je ne le connais pas. Moi, je dis, Elandi, je ne le connais pas. Il a appelé Warit, il nous a mis dans des problèmes. Moi, je ne le connais pas. Tu vois? Il a rencontré des débits. Il dit que ma maman, elle vend des beignets au Cameroun. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il parlait. Moi, je connais sa famille, mais jamais j'ai affiché sa vie. Moi, je connais sa vraie famille et je ne me casse pas. Que ce soit... Tu connais sa vraie famille, non? Bah oui, c'est cette tante que moi, je connais. Quand j'étais au Cameroun, j'ai connu ses tantes. Lui, je ne l'ai jamais connu, il était au Maroc et tout. On l'avait rentré dans un groupe à nous, qu'on a même supprimé, on l'avait supprimé parce qu'il a ramené des problèmes dans le groupe. On l'a supprimé du groupe. Bon, pardon, Brian, est-ce que je peux te poser une seule question, s'il te plaît? On est là, on t'écoute, on est 400. Est-ce que l'histoire du vol de caleçon, si ça, on n'a pas connu ça à Paris? Bah, tout le monde sait à Paris qu'il est un voleur. C'est une famille de voleurs. Ils volent partout depuis le Cameroun. C'est des voleurs. Et est-ce que Ivakine peut parler des vies des gens? S'il faut parler des familles des gens, Ivakine peut parler? Regarde, tu vas où ils vivent, même, je sais même pas où c'est les tortues qui vivent là-bas, je n'en sais pas. Il peut parler des vies des gens. Il sait qu'il écoute, que c'est moi qui viens de me dire. Il m'a appelé, il m'a insulté la dernière fois, il m'a appelé, il voulait venir sur Paris. Je lui ai dit que je n'étais pas sur Paris. Il s'est passé, c'est ça que tu vois, il m'a appelé, il me traite des mythos, il bizarre et tout. Ivakine, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pardon, Elandi. Bon, ok, il te rappelle tout à l'heure, je vais à l'ambassade, là, je coupe dans 10 minutes. C'est un gros mytho, il est malade. Il a dit qu'il allait me frapper, non? Après. Il a dit qu'il va te frapper, il va me frapper. Il va frapper tout le monde. Elandi, la gueule que t'avais tes écrans, la bouche. Bon, bah, de toutes les façons, comme si je dis, moi, j'ai pas peur de lui, hein. Ok, bon, tout à l'heure, je t'appelle tout de suite, là, je vais couper dans 5 minutes. Il dit qu'il met les lames dans les ongles, les gars, mais une famille de prostituées comme ça. Ok, voilà. Bon, tout à l'heure. Vas-y. Ok. C'est pour vous dire que mon direct,
Tout le monde écoute mon direct. Voilà Nivakin là. Votre général. Voilà votre Nivakin. Nivakino. Descends là-bas. Nivakino. 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 Nivakino, depuis d'un temps, je te parle. Elle n'a plus jamais été clashée. C'est tes parents maintenant qui m'ont attaqué. Je dépose en février à mon anniversaire. Je vous laisse. Tu feras ce que tu veux. La semaine prochaine, le menu du jour, c'est la bûche de Daniel, la maman de Nivakin. Nivakin, toi, avant que tu t'attaques aux gens, depuis que tu fais voir les capis, les coucous à gauche, tu m'as mis là-bas dedans. Compression. Avec toi, tu dis un truc, tu te contredis. Tu m'insultes, tu prononces ton nom, tu insultes ma mère. Quand tu m'insultes depuis là, je veux dire que depuis, j'oublie ça. En 2020, juin 2020, je m'avais chez mon ami Jérémy. J'avais vu mes snaps de danser. Nivakin, j'ai écrit à Jérémy. Celui-là n'est pas encore mort. Oups. J'espère que son minable chien n'est pas encore mort depuis. Toi, tu t'es clashé, il a dit. Après, tu t'es bilan. Tu vois, l'homme est plus intelligent que toi. Pendant une semaine que tu me clashais, moi, j'étais en contact avec Mélène. Et j'ai les balles sur toi, il a dit. Ta grand-mère, Nivakin. Ma grand-mère est venue en Beigne en 2000. Elle est rentrée en 2001. Elle a goûté l'Europe. Même si elle n'avait pas goûté l'Europe, elle vivait en Beigne au pays. Et elle a dit. Oui. Oui, tu vas encore parler. Tu veux parler? Tu veux parler? Oh, que je mets le haut parler alors. Oui, parle, ma. Ouais, vas-y. Je te rappelle quand tu avais eu un compromis avec moi, là, nos perpètes confusées là. Oui, quand tu t'es m'insulté là. Voilà, non, moi, je ne calcule pas, tu as insulté, j'ai dit, je ne calcule pas parce que je te connais, tu sais, voilà, mm-hmm. t'es facile. Mm-hmm. Voilà, t'as dit ce que tu avais dit et tout. Et Nivakin, il m'avait envoyé un message, il me dit, c'est bien qu'on m'a mis ta insulté, je t'avais toujours dit. J'ai dit quoi, Nivakin, arrête de m'écrire. Tu vois. Ah, il t'a écrit après. Oui, non, mais pas avant la conférence, il me dit, c'est bien fait qu'on m'a mis ta insulté, parce que je t'avais toujours dit de ne pas traîner avec elle et tout. Dis bien que ma mise, c'est Waris. Voilà. Ben, Waris, voilà, il savait bien qu'il devait traîner avec Waris. Mettez les cœurs, pardon, il signale. Nivakin a été signalé, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, il a été signalé. Moi, je me suis dit une fois, tu vois, là. Quand tu m'as appelé, j'avais pris du but. Mettez les cœurs pendant les quotas. Une erreur. J'ai connu sa famille, on est plus. Et on n'est pas pareil. J'avais été signalé, je veux plus dire. Bon, je coupe pas.